Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée Mumons. Alors en fait, il y a le 27 mars, hein, c'était le printemps des sciences, et avec les copains, on avait concrétisé un délire qui trottait dans notre esprit depuis pas mal de temps. C'était l'idée d'organiser en une même soirée une balade dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, donc ce qu'on avait appelé la nuit des deux infinis. Et en préparant cette soirée-là, les copains nous disent, et si on imaginait un quiz? Je dis, mais enfin les gars, le quiz, on est en direct dans quelques heures, comment voulez-vous qu'on fasse? On a réussi à faire ce quiz rapidement, et puis les gens ont pas mal réagi. Je pense qu'il y a plus de 120 personnes qui ont joué sur ce quiz. Le quiz est toujours en fait 127. en ligne, hein. 127, c'est ça? Il est toujours en ligne à l'adresse qui est présente ici sur l'écran et il le restera. Et puis on s'était dit, bah, ce serait sympa qu'on donne un corrigé de ce zoom, de ce quiz. Alors on va faire une petite confidence, on s'est rendu compte en le revoyant qu'il était vachement salé pour le faire et que même nous à un moment donné on hésitait un petit peu. Donc voilà, donc on va passer tout ça en revue. Comme ça, voilà, le quiz restera à disposition sur la petite application WooClap et le corrigé, il restera sur notre chaîne YouTube. Alors évidemment, il y a notre grand complice Guillaume Collier qui est là. Salut Guillaume. Hein. Donc Guillaume, Salut. tu es biologiste marin, tu es premier assistant dans le service de biologie marine et biomimétisme, je crois. Comment tu Biologie des t'appelles? organismes marins et biomimétisme. Voilà, c'est ça. L'acronyme, ça fait bombe, c'est plus Oui, facile à exactement. Bon, retenir. on voit le petit logo ici sur la droite de l'écran. Alors évidemment, le quiz, on ne l'a pas fait tout seul. Hein. Donc il y avait tous les potes qui nous ont aidés. Alors on va passer en revue, on va essayer sûrement en oublier, mais aide-moi. Donc il y avait Alors, de notre côté, Quentin. on avait Jérôme Delroisse et Colette Brieux qui avait aidé vraiment à sélectionner les images dans le microscope électronique, en sachant que dans les images, on était vraiment fouillé dans les archives. Hein. Donc, il y a des trucs qu'on a même nous retrouvés, on a retrouvé les images, on a fait, oui, mais qu'est-ce que c'est ça encore? À quelle espèce ça Excellent. appartient? Donc, on a dû faire un peu de fouille, mais c'était assez fun, du coup, de voir un peu la diversité des échantillons qu'on avait. Et puis, de votre côté, ben, vous aviez Il y avait Quentin, Victor, il y il avait y Quentin, il avait. y avait Simon, il y avait Max aussi qui était là. Voilà, je pense pas que j'en oublie. Si pas, pardonnez-moi, on est un petit peu fatigué. Voilà, donc si t'es prêt, Guillaume, on va attaquer, on va plus trop laisser attendre les internautes. Allez, c'est parti, Avec plaisir. on y va. Donc, voici la première question. Donc, la question est simple. À chaque fois, on vous montre une image et ce qu'on vous demande, c'est est-ce que c'est une image liée à l'infiniment petit ou à l'infiniment grand? Alors ici, Guillaume, tu nous as mis les statistiques de WooClap. Donc apparemment, 73% des joueurs ont signalé que c'était l'infiniment grand et 27% le petit. Alors, tu t'en penses quoi, toi? Disons que moi je connais la réponse, du coup c'est même pas vraiment du jeu puisque j'ai préparé la conférence avec toi, mais ça pourrait être petit en fait, hein, quand tu y penses, ça pourrait être petit, ça pourrait être grand. Ben, en Peut-être fait pas un aussi on a animal, essayé, oui. donc on a un peu modifié les images aussi, hein, faut le dire. Donc à chaque fois ce qu'on a fait c'est qu'on a pris les images, on a essayé un peu de mettre en nuance de gris pour pas donner trop d'informations, et on a essayé parfois de jouer un peu sur les contrastes, sur la luminosité pour rendre le quiz un petit peu plus compliqué, Ouais, pas justement. exactement, parce qu'en fait, il faut préciser, donc lors de la nuit des deux infinis, on a montré en live des images obtenues avec le microscope électronique à balayage du service de biologie, alors, des organismes marins et biomimétisme, je dis bon, Bien voilà. joué. Et les images données par un microscope électronique, ben c'est noir et blanc. Et donc nous, du côté astro, on avait de tout. On avait du noir et blanc, on avait des couleurs, on avait des fausses couleurs. Et donc effectivement, on a tout uniformisé pour bien semer le doute. Allez, on y va, c'est parti. Alors cette drôle d'image, hein, avec cette espèce de trou aussi central, c'est une image qui nous vient de l'espace. Alors, c'est pas une photo qui a été prise par les copains du COB d'Astro. C'est une image qui a été prise par la sonde de la NASA qui s'appelle le New Horizons. C'est la seule sonde qui a survolé Pluton après un long voyage. Donc, elle a survolé Pluton en 2015. Alors, c'est un moment qui était fantastique parce que, voilà, moi, depuis que je suis petit, on parle de Pluton, mais les seules images qu'on avait, c'était un disque tout flou. Et puis, du jour au lendemain, ou presque, Pluton est devenu un monde à part entière. Alors on s'attendait à trouver un monde avec pas grand-chose comme détail, un monde mort. On est très très loin du Soleil. Hein. Et puis on a ceci. Alors les contrastes sont un peu exagérés hein, dans cette photo-ci. Et ce qui est impressionnant, c'est cette espèce de grand cœur qu'on voit là. Et l'image qu'on vous a montrée avant, ben, figurez-vous, c'est une petite partie de ça. Regardez où on est. On est juste ici. Ah, c'était trop vite. Juste là. Voilà, juste ici. Alors ce truc, c'est quoi? Eh bien, on s'est rendu compte que Pluton,
et sa lune Charon. Et en fait, la plupart des objets qui sont loin dans le système solaire, bien contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas du tout des mondes morts où il n'y a rien à voir. C'est vraiment des mondes de glace où il y a toute une dynamique en fait. Et par exemple, ce grand truc, l'espèce de cœur ici, eh bien, les images montrent et les analyses montrent qu'en fait, c'est une plaine d'une glace, c'est une plaine recouverte de la glace d'azote. Donc, c'est une glace qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Donc, on a une plaine de glace d'azote sur laquelle, en fait, glissent des montagnes de glace d'eau. Donc, vous avez des montagnes qui font 3 km de haut, de la glace pure, qui se promènent sur de la glace d'azote. Et quelque part, en fait, pas loin du pôle sud de Pluton, on a ce trou ici. Alors, je vais leur mettre, je remets l'image d'avant, comme ça on la verra en gros plan. Eh bien, ce trou-là, on pense que c'est ce qu'on appelle un cryovolcan. Donc, un cryovolcan, bah, comme son nom l'indique, c'est un volcan qui crache non pas de la lave bien chaude, mais des particules de glace ou en tout cas des choses très très froides. Alors, on ne l'a pas vu en éruption. On a déjà vu ce type de cryovolcan fonctionner sur d'autres objets du système solaire. Voilà, donc, on aurait le zoom sur un cryovolcan. Quand on voit. Les images qu'on avait avant le survol de New Horizons, c'est quelque chose d'assez fantastique. Voilà. Donc là, c'était une petite mise en bouche, pas trop difficile. Hein, voilà. Donc Pluton, qui est un monde absolument merveilleux. Du coup, est-ce que je peux en Oui. profiter d'être juste avec toi Vas-y, pour te vas-y. poser quelques questions? Bon, là, Ah sans si, des je vais questions. répondre, Hein. vas-y. Alors, quel est le statut déjà de Pluton? Parce que moi, je me souviens qu'au début, quand j'étais petit, on me disait, ouais, c'est une planète. Je me dis, non, c'est plus une planète, c'est une planète naine. Je ne sais pas Ouais, s'il y a un ouais. statut En fait, si tu officiel veux, maintenant. bon, Pluton, a priori, a été découvert en 1930. Et bon, elle était recherchée depuis longtemps. Hein. On s'attendait à ce qu'il y ait une planète derrière Neptune. Donc, c'est toute une quête, hein, la découverte de Pluton. Et en fait, c'est les Américains qui découvrent Pluton. Hein. C'est Clyde Tombaugh. Et la découverte de Pluton chez les Américains, c'est quelque chose de majeur. Donc, c'est la première planète qu'ils découvrent. Et ça va vraiment impressionner, laisser sa trace dans la société américaine, à un point tel, par exemple, que Disney, il venait de créer le chien de Mickey, et quand on découvre Pluton, il change le nom du chien de Mickey et il l'appelle Pluton. Alors simplement, en anglais, Pluton, ça se dit Pluto, et en fait, les Français n'ont pas traduit Pluto par Pluton, ils ont laissé Pluton. Ils ont laissé Pluto. Donc voilà, donc c'est quelque chose pour les Américains de très important. Mais on s'est tout de suite rendu compte que Pluton, c'était un petit objet. En fait, la masse de Pluton, c'est 1/500e de la masse de la Terre. Mais enfin, voilà, dans tous les manuels scolaires, on a dit il y a 9 planètes, et Pluton est la 9e, et ainsi de suite. Et puis, figure-toi que dans les années 90, on se rend compte qu'au-delà de Pluton, il y a des milliers d'objets, en fait. Mais toutes des petites choses. En fait, c'est une deuxième ceinture. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et au-delà de Neptune, il y a une deuxième ceinture qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et pendant tout un temps, on découvre des objets, mais qui sont plus petits que Pluton. Donc on dit, voilà, Pluton, c'est la 9e planète. Et derrière, il y a des gros trucs, il y a des objets, quoi, des astéroïdes. Et puis un jour, on découvre un drôle d'objet qui est plus grand que Pluton. Alors, les astronomes qui font la découverte vont lui donner un petit surnom. Alors, vraiment, le truc porte un nom, je pense que c'est 1992, UB313, ça fait un nom un peu style Petit Prince. Mais il surnomme en fait Xena. Parce que Xena, il y avait la fameuse série B, la série télé. Oui, je... Xena, c'était la guerrière. Et donc, les astronomes ont dit, voilà, si on a découvert au-delà de Pluton, dans la ceinture d'astéroïdes, là où il y a des milliers d'objets, un objet qui est plus gros que Pluton. Si Pluton est considéré comme une planète, alors Xena est une planète aussi. Alors si ça tombe, il y a des milliers de planètes derrière Pluton. On va pas apprendre aux enfants à l'école les noms des milliers de planètes qui existent dans le système solaire. Donc il faut qu'on revoie la définition de planète. Et donc ça a été le combat. C'est pour ça qu'ils ont appelé cette planète la Xena, parce qu'ils ont été, ça vraiment ça a été vraiment été de la bataille. Et il n'y avait pas vraiment d'argument scientifique. Hein. C'était vraiment la fierté américaine d'avoir cette planète Pluton. Et si on détrônait Pluton, eh bien, il n'y avait plus de planète découverte par les Américains. Et alors, il y avait aussi un élément de communication qui n'était pas à négliger. La NASA venait de lancer, ou était sur le point de lancer, je ne me souviens plus très bien, sa sonde New Horizon. Et la NASA fait toujours des teasers magnifiques pour ses missions, un peu à la Hollywood. Et donc, dans ce teaser, il y avait la fameuse voix grave là, de tous les films hollywoodiens qui disait la dernière planète inexplorée, nous allons révéler le dernier monde, etc. Et puis, si subitement Pluton perdait son statut de planète, ben on perdait un peu le côté prestigieux. Ça changeait rien au fait que Pluton est intéressant, mais au niveau prestige. Et donc, il y a vraiment eu un combat d'arrière-garde. Bon, finalement, comment ça s'est terminé? Eh bien, on a inventé une nouvelle catégorie d'objets. Aujourd'hui, on a des planètes.
et des planètes naines. Donc Pluton est une planète naine, comme Cérès. Alors planète naine, c'est une définition qui est un peu, un jour ou l'autre, elle va tomber, hein, c'est un peu débile. En fait, on appelle planète naine un objet qui est rond, donc suffisamment gros pour que la gravité lui donne la forme d'une sphère. Ensuite, il faut que cet objet tourne autour du Soleil. Donc ça, c'est le cas pour Pluton, il est rond, il tourne autour du Soleil. C'est le cas pour Cérès, c'est le cas pour d'autres. Mais la différence entre une planète naine et une planète classique, c'est qu'une planète naine, elle n'a pas réussi à nettoyer son orbite, en fait. Autour d'elle, il y a plein d'objets du même genre. Donc si on prend Pluton, autour de Pluton, il y a plein d'objets de la ceinture de Kuiper. Et autour de Cérès, il y a les objets de la ceinture d'astéroïdes. Bon, ça vaut ce que ça vaut, parce que bon, tout ça, un jour ou l'autre, va tomber. Enfin voilà, alors, ce qui est un peu absurde, c'est que si je te dis, voilà, je te présente un chien nain, un chien nain, c'est un chien, mais il est nain en plus, mais c'est un chien. Dans la tête des astronomes, une planète naine n'est pas une planète, c'est autre chose. Enfin, voilà, donc c'est un peu foireux. Et donc Oui, Pluton, c'est. Alors ce qui est amusant, c'est que, donc aujourd'hui, voilà, c'est officiel. Pluton est une planète naine. Alors, il y a des gens qui font du lobbying. Hein. On vend même des t-shirts. Pluton, je ne t'oublierai jamais, etc. Tu resteras à jamais une planète dans ma mémoire. Alors, ce qui est très amusant, c'est que le fameux transneptunien là, qu'on avait surnommé Xena, maintenant, il a un nom officiel. On l'a appelé Eris. Et Eris, dans la mythologie grecque, c'était la déesse de la discorde. Ben, tout simplement parce que Iris a foutu le bordel dans la communauté astronomique, et donc c'est devenu officiel. Donc voilà la petite histoire de Pluton qui a perdu son statut. Bon, génial. Guillaume, je Et pense qu'à attends. ce rythme-là, on est parti Mais pour une... attends, est-ce que tu m'as aussi parlé d'un geyser de glace? Et Oui. donc, ce geyser de glace, mais du coup, il est pas activé par une tectonique, j'imagine. Il est activé quoi? Pas quand même par le Alors réchauffement bon, du Soleil, ou il n'y a pas de lune qui pourrait activer ça par effet de c'est une marée? bonne question. Alors par rapport à Pluton... On ne sait pas trop si c'est encore actif ou pas. On trouve même des traces d'activité récente au niveau de Charon, qui est sa lune qui est plus petite. Tu as des geysers comme ça de glace au niveau d'Encelade. Alors, souvent, c'est un mélange des effets de marée, des effets d'influence d'autres corps. Bon, tout ça n'est pas encore très clair, en fait. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, on ne comprenait rien. Maintenant, on commence à avoir des modèles. Mais dans le cas de Pluton, je ne sais pas te dire à quoi c'est dû. Mais c'est des choses qu'on commence à voir, en fait. Et c'est pas anodin, c'est pas un épiphénomène. Donc toutes les chaque fois qu'on voit des corps glacés, on se rend compte que c'est dynamique. Voilà, donc on en reparlera certainement. Merci. Voilà, deuxième Alors, image. ici, je prends un peu la relève. Ouais, De toute façon, vas-y, vas-y. vous allez vite vous rendre compte que dès que c'est moi qui parle, en général, que c'est un truc petit, et dès que c'est Francesco, c'est que c'est un truc grand, donc ça va pas être trop compliqué. De toute façon, vous avez déjà tous fait le quiz, j'imagine. Et si pas, si vous prenez la conférence en route, n'hésitez pas, si vous n'avez pas fait le quiz, à faire pause, à retourner sur WooClap, à faire le WooClap en vitesse, à revenir sur le quiz après. Ce sera quand même plus fun avec le challenge d'avoir joué, quoi. Alors, je pense que sur le WooClap, cette image-ci est un peu plus sombre, et donc c'est encore un peu plus compliqué de jouer. Donc là, je l'ai un peu éclairci pour qu'on y voit plus clair. Vous voyez qu'il y a pas mal de petites structures qui apparaissent ici. Donc, il y a des trucs un peu épars, mais parfois, c'est un peu regroupé avec des petits filaments qui partent de ces petits agrégats, de ces petits groupes de petites boules. Et on voit pour le résultat des votes qu'en fait, vous êtes 27% à avoir pensé que c'était de l'infiniment grand et 73% que c'est de l'infiniment petit. Et je dis félicitations à la majorité d'entre vous parce que c'est en effet de l'infiniment petit. Puisque là, vous avez ce que vous voyez en face de vous, ce sont des cellules de concombre de mer. Alors, bien entendu, si c'est une conférence, je ne peux pas m'empêcher de parler de concombre de mer, c'est certain. On en avait déjà parlé auparavant lors d'une précédente conférence c'était sur l'exploration de l'infiniment petit, si je me souviens bien. Et donc, en fait, ici, si vous voulez, c'est une thématique de recherche qu'on fait actuellement au laboratoire. Ce sont des cellules qui ont été découvertes dès la fin des années 1800, qui étaient fortement décrites d'un point de vue morphologique, et pas d'un point de vue fonctionnel, par exemple. Et donc, ces cellules, c'est un peu spécial, parce qu'il y a une très grande diversité de cellules différentes. C'est-à-dire qu'il y a des grosses cellules comme ça, un peu en forme de boules glacées, comme ça, qui sont capables de phagocyter d'autres cellules, donc vraiment d'encapsuler des bactéries ou des corps étrangers, par exemple. Donc, vous l'aurez compris, ces cellules ont un rôle de système immunitaire basique chez les concombres de mer. Donc, les invertébrés ont bien un système immunitaire. Donc, il n'y a pas de système d'anticorps comme chez nous. Il n'y a pas de système d'apprentissage du système immunitaire. Il y a quand même des cellules qui ont un rôle
d'encapsulation des bactéries et d'isolation des bactéries des corps étrangers pour protéger le concombre de mer. Et donc, par exemple, si vous prenez un concombre de mer, vous lui injectez des bactéries ou vous allez lui injecter même du sable, des particules étrangères à l'intérieur, ou même mieux, ce qu'on a réussi à montrer il y a pas très longtemps, c'est quand on lui met des prédateurs dans le bac. Nos prédateurs, vous avez trouvé par exemple des étoiles de mer qui sont prédatrices de concombres de mer et qu'on commence à les poursuivre dans l'aquarium. Mais je veux dire, vous, que ces concombres de mer vont en fait produire ces solmocytes en avance. Et donc, il y a une anticipation du système immunitaire qui prévoit l'attaque en fait. Donc, il se dit, OK, il y a une étoile de mer prédatrice qui va sûrement m'attaquer, qui va du coup léser mon tégument, donc je vais avoir des corps étrangers qui peuvent rentrer dans mon système immunitaire, enfin dans mon corps en tout cas, il faut que mon système immunitaire se prépare à ça. La manière dont ça fonctionne donc, c'est que vous avez toutes ces cellules différentes, donc on ne connaît pas encore vraiment les fonctions de toutes, hein, parce que certaines sont rouges et contiennent en fait de l'hémoglobine. Donc vous voyez un concombre de mer, on se dit bon, c'est assez éloigné de nous et ça ne peut pas produire de l'hémoglobine. En réalité, même dans la classification animale, c'est pas si éloigné que ça de nous. En fait, hein, les concombres de mer et les échinodermes de manière générale sont des deutérostomiens comme nous, pour parler un peu en termes techniques, c'est-à-dire que leur bouche apparaît en deuxième lors du développement embryonnaire, ce qui est un peu. J'adore chez les biologistes le jargon extraordinaire que vous avez, hein, c'est fabuleux. J'en ai pas mal de comme ça. J'essaie de me calmer, Ah oui, j'essaie de c'est pas trop normal. lâcher ce soir, quoi. Et donc, ce qui est fou, c'est que cet animal-là, donc un système immunitaire qui peut se prévoir à l'avance, qui est fait d'un tout un nombre de cellules qui sont magnifiques à voir et qui peuvent, en fait, sont mobiles et viennent s'adapter les unes par rapport aux autres. Donc, on pense en fait que certaines cellules vont éclater pour libérer des sortes de granules de sécrétion, une sorte de mucus, si vous voulez, pour faire une sorte de milieu qui viennent agréger, une sorte de colle qui viennent agréger les autres solomocytes. Et en fait, ils viennent isoler la bactérie ou le corps étranger dans ce qu'on appelle un petit corps brun. Donc parfois, même si vous disséquez des vers de terre, je dissèque parfois des vers de terre avec des étudiants, parce qu'on ne retrouve pas ces solmocytes que chez les concombres de mer, on trouve ça chez plein d'invertébrés différents. On dissèque un vers de terre, on a des petites boules brunes, et ces boules brunes ensuite sont évacuées jusqu'au système digestif. Et on ne sait pas encore exactement comment, mais on imagine en tout cas que toutes les petites structures que vous voyez un peu longues ici, qui pourraient être associées à des flagelles, par exemple, ou en tout cas ce qu'on va appeler des pseudopodes, qui sont des prolongements de cellules qui permettent de la mobilité cellulaire notamment, de faire bouger ces corps bruns vers l'extérieur de l'animal. Et comme ça, ils peuvent complètement s'en débarrasser par la suite. Et donc, vous voyez là les échelles, ben, là ici à gauche, par exemple, là c'est 2 microns. Là, c'est 10 microns, donc on est au niveau du millième de millimètre ici. Wow. Impressionnant. Top. On passe à la suivante. Oui, on y va. Ah oui, là, je Alors là, reconnais, tiens. c'est Vas-y, encore vas-y. moi. Ça, je pense que pas mal de gens ont reconnu. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal de bonnes réponses. D'ailleurs, si vous regardez parfois les pubs, on voit parfois ça dans les pubs de shampoing, justement. Où ils font genre, oh mon Dieu, vos cheveux sont super abîmés, et donc il faut réparer la kératine avec des super shampoings magiques. Car, comme vous l'aurez deviné, il s'agit d'un cheveu ici. Alors, vous allez voir que je vous ai mis une photo de doudou, en fait. Dans le truc suivant, parce qu'il s'agit d'un crin de doudou en fait. Donc pas l'image que je vous ai mis là, mais l'image d'avant, c'est vraiment un crin de doudou. Alors en tout cas, c'est ce que j'ai en tête et j'en ai discuté avec plusieurs membres du laboratoire. C'est pas une photo qu'on a prise récemment, c'est pris un certain nombre il y a un certain nombre d'années, mais ça serait un crin de doudou qu'un de nos membres du laboratoire avait récupéré lors d'un combat et avait mis au microscope Mais électronique. je pense que j'ai même l'histoire de ça, hein, parce que je pense que c'était Michel Hautelet qui faisait un TP avec les étudiants, et on mesurait l'épaisseur du crin, et puis on l'avait mis pour explorer l'invisible. Donc je pense que c'est peut-être celui-là, parce que nous on l'a traité souvent, à mon avis. Génial. Mais écoute, merci. Au moins, en Je plus, tu me pense donnes que c'est ça, l'histoire. Donc, ça, c'est voilà. génial. Et donc, là, ce qu'on voit ici, en fait, ce qui est assez marrant, c'est de voir toute la structure de ce cheveu, qui, en fait, c'est bien plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Hein. Quand vous regardez un cheveu, c'est vrai que c'est de la matière morte, a priori. C'est quand même relié à ce qu'on appelle un bulbe, comme les bulbes de nos poils qui sont dans le cuir chevelu, qui, eux, sont directement innervés. Donc, si vous arrachez un cheveu, ben, ça fait quand même mal. Si vous coupez les cheveux, ça fait pas mal. Si vous arrachez un cheveu, ça va faire mal. C'est associé à toute une série de glandes, comme les glandes sébacées, par exemple. Et si vous coupez un poil ou un cheveu, vous allez retrouver, en fait, sur plein de tubes qui sont associés les uns avec les autres, qui sont des tubes de kératine. Donc, c'est que des protéines, en fait, en réalité, des cheveux, quoi. Que des protéines de kératine. Alors, c'est entouré d'une sorte de cuticule qui fait tout le tour du cheveu. Et vous voyez que ça fait toutes des petites écailles. Et en fait, a priori, plus vos cheveux sont abîmés et plus ils vont être écaillés, en fait.
Et par la suite, en fait, vous allez avoir tous ces tubes à l'intérieur qui donnent en fait une complexité assez grande à un cheveu. Et toutes ces fibres, tous ces tubes vont être des fibrilles de kératine. Alors, on peut se demander à quoi ça sert les cheveux, du coup, si c'est un peu de la matière morte. Bonne question. Ça va avoir déjà un rôle dans la sélection sexuelle, puisque c'est vrai qu'on va se baser sur la couleur de cheveux, sur la longueur des cheveux, sur la coiffure d'une personne pour être plus ou moins attiré sexuellement avec la personne. Ça va aussi abriter toute une faune, en fait, et on en reparlera un petit peu après avec une autre photo. Donc, il y a certains organismes qui viennent vivre au niveau des poils, ne serait-ce que toute la communauté symbiotique bactérienne qui a un impact sur notre odeur se trouve dans nos poils. C'est par exemple pour ça qu'on a des poils en dessous des bras, par exemple. C'est parce qu'il y a plein de bactéries qui vivent là. Donc, nous, on produit du sébum via les glandes sébacées au niveau des poils, au niveau de la peau. Il y a toutes des bactéries qui viennent à cet endroit-là. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on dit toujours, ouais, je connais l'odeur de quelqu'un. Chaque personne a sa propre odeur. C'est parce qu'en fait, on a chacun notre génome particulier, notre ADN propre. Du coup, on va avoir notre transpiration propre C'est et très qui va être frais, hein, la soirée. utilisée. Merci Guillaume. C'est Mais top, hein. oui, non, je travaille ça. Je travaille ça. Waouh. Et donc, on a chacun nos propres bactéries, en fait. On va chacun sélectionner notre propre milieu, notre propre culture bactérienne, et donc on aura chacun notre propre odeur, parce que notre bactérie vont développer notre odeur, car heureusement, on n'a pas de glandes qui produisent odeur, d'ici le gland anal, par exemple, que vous avez trouvé chez les chiens et les chats. Nous, on s'en sort pas si mal, finalement. Ça pourrait être pire, Vive le distanciel, hein. quoi. Exactement. Ok, top. Je passe à la suite. Ah Oui. bah, tu peux aller toi, vas-y. Ah, alors. Ah, donc là, c'est très serré, hein, 46-54. Il y en a pas mal qui sont plantés. Alors, ce truc, c'est quoi? Eh bien, je vous emmène dans l'espace. Je vous emmène sur notre voisine. On va sur Vénus. Donc Vénus, c'est ce qu'on appelle l'étoile du berger. Alors elle va tout doucement revenir dans le ciel du soir. Donc en général, c'est le premier astre qu'on voit soit en soirée, soit en matinée avant que le soleil ne se lève. C'est une planète, donc c'est Vénus. C'est une planète qui a la taille pratiquement de la Terre. Elle est un peu plus petite. Sa masse est un peu plus petite que celle de la Terre. C'est pratiquement notre jumelle, juste qu'elle est plus proche du soleil. Alors la photo qu'on voit ici, elle est troublante parce qu'on a l'impression de voir notre monde avec cet aspect un peu bleuté, ces nuages, etc. Et il faut savoir que dans pas mal d'ouvrages de science-fiction, jusque dans les années 50, on se disait bah, Vénus, c'est une espèce de Club Med finalement, il fait un peu plus chaud que chez nous, on imagine des créatures magnifiques. Et c'est surtout les Russes en fait qui sont allés explorer Vénus. Ils ont envoyé des sondes traverser l'atmosphère pour vraiment la poser. Et systématiquement, les premières sondes en fait, qui ont pénétré dans l'atmosphère de Vénus, eh bien, on a systématiquement perdu le contact. Donc, tu as 2 mois de voyage environ. Et puis, dès que ça rentre dans l'atmosphère, paf, contact coupé. Donc, les Soviétiques ont commencé à construire des sondes de plus en plus solides, mais vraiment des machins style bathyscaphe, quoi. Et on s'est rendu compte que les conditions étaient assez épouvantables. Il fait 480 degrés en journée, probablement 460 de la nuit. Donc il fait plus chaud sur Vénus que sur Mercure qui est plus proche du Soleil. Donc en fait, À cause de l'effet de serre, alors? alors J'imagine à cause de l'effet c'est de un effet serre. de serre mais poussé à l'extrême. Hein. Donc c'est une atmosphère qui est plus dense même que je pense que celle de. Oui, la pression c'est 90 fois celle de la Terre. Ah oui. C'est pratiquement là une pression que tu aurais dans les grandes profondeurs chez nous. Et alors, ce qui est fou, c'est que le ciel sur Vénus ne se dégage jamais. Donc, si on vivait sur Vénus, on ne saurait même pas que les étoiles existent, en fait. Donc, ce serait intéressant au niveau philosophique, si tu avais des extraterrestres qui existaient sur Vénus, comment ils imagineraient le monde? Alors, heureusement, il pleut sur Vénus, hein, mais ce qui tombe, c'est pas de l'eau, c'est de l'acide sulfurique. Alors, il fait tellement chaud que ça n'atteint pas le sol, ça s'évapore. Et Okay. alors, l'image qu'on vous a montrée ici, on va y revenir. En fait, ce n'est pas une image qui a été prise depuis la surface. Donc, les Russes se sont concentrés sur des missions, je dirais, atmosphériques. Ils ont même réussi avec les Français. On a beaucoup parlé là du petit hélico qui a volé sur Mars en disant il y a des gens qui ont dit c'est la première fois qu'on vole sur une autre planète. Mais si tu regardes la communication vraiment de la NASA, c'est première fois qu'on fait voler un objet motorisé. Parce que sur Okay. Vénus, en 86, Français et Russes ont réussi à faire voler des ballons. Donc c'est une mission hors du commun. Donc c'était une mission qui a envoyé deux sondes s'approcher de la comète de Halley et en passant ils ont largué des ballons dans l'atmosphère de Vénus. Et donc voilà. Donc on s'est rendu compte que le sol de Vénus, ben il ressemble vraiment à un sol volcanique.
Mais le problème, c'est que les sondes russes, elles fonctionnent que 20 minutes. Il fait tellement infâme que voilà, on ne sait pas vraiment. Donc, tu vas, c'est comme si tu balances sur Terre une sonde quelque part sur toute l'immensité de la Terre. Ça fonctionne 20 minutes. Tu dois essayer de comprendre comment fonctionne tout le monde, la totalité du monde. Et donc, les Américains, eux, sont concentrés sur d'autres techniques. Et en fait, ils ont sondé au radar en fait la planète parce que les ondes radar traversent les nuages. Donc, elles traversent les nuages, elles se réfléchissent sur le relief et reviennent en fait vers la sonde. Et en regardant les échos, je sais à quel moment j'ai envoyé mon onde, à quel moment ça revient, je peux savoir si la réflexion a eu lieu sur une haute montagne ou sur une dépression. Et donc, l'image qui est là, je vais vous la remontrer ici, c'est une image radar en fait prise par la sonde Magellan, sonde américaine. Et ce qu'on voit, c'est un volcan. Alors c'est ce qu'on appelle un volcan tique. Donc tu vois, petit clin d'œil aux biologistes, ça sent vraiment à la bestiole, hein. Bon, hein, le corps ici, les pattes, etc., et la tête. Alors c'est un volcan qui a un diamètre d'environ une vingtaine de kilomètres, donc c'est la caldeira fait environ 20 kilomètres, et probablement que ici la paroi a dû se casser sous la montée de la lave, et donc voilà, il y a un écoulement qui s'est produit ici sur le côté, et puis on voit des structures un peu radiales comme ça. Il n'y a pas énormément d'images hein, de volcans tiques, celle-là est très célèbre, mais on estime que sur Vénus, on aurait 500 000 volcans de plus d'un kilomètre de diamètre. 500 000 volcans, et dont certains seraient encore actifs, ce qui explique la présence massive de CO2 qui pousse à l'extrême l'effet de serre. Alors ce qui est dommage, tu vois, c'est que je pense que j'ai une autre image ici, voilà. Ça, c'est une image en fausse couleur de Vénus. Donc si tu veux, c'est tu sondes au radar la planète, donc en fait on a tous les différents types de réflexions qui se produisent, et puis on a mis en fausse couleur des teintes qui permettent de voir ce qui est plus haut et plus profond. Donc tout ce qui est mauve, c'est des terres qui sont en basse profondeur, et tout ce qui est très clair, c'est les hauts plateaux. Voilà, donc on voit qu'on a des hauts plateaux ici, là, ici, etc. Alors ce qui est très amusant sur Vénus, c'est que tous les noms des reliefs sont des noms de femmes, des poétesses ou des scientifiques. Il y a juste quelques zones, il y a les monts Maxwell qui sont des montagnes, une chaîne de montagnes qui dépasse les 11 000 mètres d'altitude, et deux zones qu'on appelle Alpha et Beta Régio. Et pour tout le reste, je pense qu'il y a Colette, il y a Aphrodite Terra, il y a Ishtar, il y a tout ça, c'est très poétique. Alors ce qui est vraiment dommage, c'est que Vénus n'est pas à la mode. Donc c'est une planète qui est fantastique, il y a plein de mystères sur Vénus. Malheureusement, c'est Mars qui est la cote, et c'est chiant. Alors, Mars, moi j'adore évidemment, hein. Mais c'est chiant parce que le problème, c'est que la NASA, les Américains fonctionnent beaucoup avec la com. Et donc sur Mars, tu peux dire, on sait qu'il y a eu de l'eau, est-ce qu'il y a encore des traces de vie? Donc on joue à mort le côté biologique de la chose. Bon, Vénus, évidemment, elle est moins sexy de ce côté-là, mais il y a tellement de mystères et tellement de choses à voir, et malheureusement, on n'y va pas. Et donc le souci, c'est que si on n'y retourne pas, ben, à un moment donné, ceux qui s'intéressent à la planète vont finir par plus s'y intéresser, et on va perdre un savoir-faire. Mais sinon, au niveau technologique, tu imagines, il faut imaginer des robots capable de résister à des températures, à des pressions absolument titanesques. Donc voilà. Donc, mais je pense qu'il y a un petit regain qui est en train de se mettre en place. Actuellement, il y a une sonde européenne qui s'appelle Venus Express et une sonde japonaise. Et je pense que l'image qui est ici, c'est une image prise par la sonde japonaise en ultraviolet. Donc l'œil ne verrait pas en fait Venus de cette façon-là. Voilà, un petit clin d'œil à la déesse de la beauté. Voilà. Superbe. Je te laisse la parole. Alors ici on a une structure un peu spéciale, c'est tout géométrique, hein. Et donc là vous êtes la grande majorité, hein, 85% à avoir trouvé que c'était en effet une petite structure, c'était de l'infiniment petit. Alors je vous demande de bien regarder ici, vous voyez toutes ces structures concentriques là, ce qui indique en fait un mode, souvent en tout cas, un mode de croissance concentrique, puisqu'il ne s'agit d'autre que des écailles de poissons. Wow. Ce sont des écailles placoïdes de poissons. Alors en fait, quand on dit écailles, ça veut tout et rien dire, hein, parce que des écailles, on a des écailles de lézard, on avait des écailles de serpent, on a des écailles de poissons, et encore des écailles de poissons, vous avez des écailles de requins, on reparlera un petit peu plus tard. Et ça, c'est des écailles de poissons typiques, entre guillemets. Alors on va appeler ça des écailles qui sont placoïdes, et c'est des écailles qui sont soutenues par un os, donc il y a un petit os qui vient pousser au niveau de la peau. Et ce qui est assez marrant, en tout cas, c'est de repérer donc, que ça pousse. Ça pousse vraiment de manière, oups, je dois revenir dans l'autre sens, voilà, de manière concentrique, comme vous pouvez le voir ici. Donc on peut estimer en fait
la taille des écailles des poissons. Alors, on ne peut pas vraiment s'en servir, on ne peut pas s'amuser à compter le nombre de stries pour faire de la dendrochronologie comme on ferait quand on coupe un arbre, par exemple, qu'on coupe le nombre de stries dans la coupe d'un arbre. Par contre, on peut faire ça avec les oreilles d'un poisson. Donc, on vient récupérer des petites boules qu'on appelle des otolithes, qui sont des petites boules bizarres dans l'oreille, qui grandissent par croissance successive circulaire. On retrouve un peu du coup le même type de schéma, mais en coupe transversale. Et un autre truc qui est assez fun avec les écailles de poisson, donc c'est que ça utilise des petits os de protection hein, qui viennent les isoler du milieu extérieur. Mais l'imbrication de ces écailles les unes dans les autres ne se fait pas au hasard. C'est-à-dire que quand vous regardez ici, vous voyez qu'à chaque fois, on a une sorte d'insertion en tuiles, en fait. On dirait des tuiles sur un toit. Le but, en fait, c'est de réduire la traînée au maximum et de favoriser l'hydrodynamisme du poisson, de créer le moins de traînée possible. Et donc, bah, typiquement, comme vous pouvez vous en douter, la tête du poisson est de ce côté-là. Donc là, en fait, on voit quelques rayons de la nageoire pelvienne qui sont là. Et donc, la tête du poisson est du côté en haut à droite et l'arrière est en bas à gauche. En fait, la nageoire caudale est par là. Donc, en nageant comme ça, si vous mettez un flux le long du poisson avec un petit colorant, comme de la fluorescine, qui est une sorte de petit colorant fluorescent, ben, en fait, on va voir la manière dont ça va couler le long des écailles, et ça fait une sorte de flux laminaire, en fait, pour avoir le moins de turbulence Wow. possible et que le poisson glisse le plus possible dans l'eau. Donc voilà. Excellent. Super. Top. Dans tes écailles, ça ressemblait à une structure spirale en fait. C'est possible ça ou c'est pas du tout spirale? Oui, ça. Ça ici, là. Oui. Oui, c'est vraiment la manière dont ça grandit, en fait. Donc, c'est que ton poisson grandit, et quand ton poisson grandit, ben, en fait, les écailles doivent suivre, en fait. Les écailles grandissent aussi, et elles grandissent en spirale. Et D'accord. c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve relativement souvent, quoi, en fait, hein, des structures comme ça. On en reverra une plus tard, justement. Mais Ok. dans les croissances des téguments, dans les croissances de structures un peu minéralisées, justement, souvent, on va observer des croissances circulaires, parce que, ben, on peut pas, souvent, quand il y a un os, par exemple, qui est présent, on ne peut pas renouveler tout l'os d'un coup, en fait. Et donc, c'est plus intéressant de venir construire des couches concentriques d'os plutôt que de tout détruire et de tout refaire, par exemple. D'accord. Alors, ceci. Ah, là aussi, hein. 50-50, donc 50-50 pratiquement. Je pense que ce qui se passe, c'est que, à mon avis, les plus âgés ont dû trouver. Pourquoi? Parce que on est encore sur Vénus, et ces images-là, elles datent des années 90, tout début des années 90 de mémoire, donc il y a pratiquement 30 ans. Et donc je pense que les gens qui s'intéressent maintenant à l'astro, qui n'ont jamais trop vu, ils ne savent pas du tout d'où ça sort. Et donc là, en fait, on a aussi des images radar, donc c'est la suite de tout à l'heure. Et là, je vous présente les pancakes. Donc, ce sont des volcans crêpes. Alors, je pense que le nom technique, on appelle ça maintenant des Farum en français. Ce n'est pas le cas. Alors, quand on a commencé à voir ces images-là, ce qu'on racontait tout le temps, c'est que c'était des remontées de lave, en fait, du sous-sol. Mais la lave n'arrivait pas réellement à percer la croûte vénusienne. Et donc, il y avait une espèce de bouton qui apparaissait. Là aussi, hein, l'ordre de grandeur, c'est 25 km environ. Mais en relisant des choses hier, il semble que ce n'est pas vraiment ça. On pense que c'est vraiment plutôt de la lave qui est très visqueuse, qui sort de son trou, de sa caldeira, qui s'étend, et puis ça se refroidit, puis ça s'arrête. Voilà. Donc là aussi, des champs de pancakes, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns sur Vénus. Donc c'était encore notre voisine. Alors là, si vous avez une image reconstituée en 3D de ces drôles de crêpes. Alors. J'imagine un truc comme ça, à 25 km de haut en face de toi, là. Alors, bah, dans Le 25 km de diamètre, et la hauteur, diamètre. tu dois plutôt estimer à 750 mètres de haut. Enfin, c'est quand même pas mal, hein, donc c'est quand Ça même fait un bon un. pancake. Ouais, c'est ça. Alors, souvent, les images comme ça, reconstituées de Vénus, on a souvent cette couleur un peu orangée. Bon, évidemment, c'est purement conventionnel, parce que les images radar, ben, c'est comme des images au microscope électronique, la notion de couleur n'a pas de sens. Mais simplement, on se dit que vu que l'atmosphère est très ténue, ben la lumière qui arrive à filtrer, ben, c'est une lumière qui doit être un peu blafarde, un peu orangée. Bon, on le devinait sur les photos prises par les sondes russes au sol, on devinait. Donc c'est pour ça qu'on donne un peu cette teinte-là. Alors celle-ci, elle est magnifique. Ben là, apparemment, il y en a pas mal qui ont trouvé. Hein, ça, c'est encore dans notre système solaire. Mais on va quitter le système solaire intérieur, donc on va maintenant aller vers le système solaire extérieur. Et là, je vous emmène en fait au pôle nord de notre ami Saturne. Voilà.
Alors là, c'est une image fantastique qui a été prise par la sonde Cassini-Huygens. Donc c'est une mission qui a voyagé pendant, de mémoire, pas loin de 7 ans, qui est restée 14 ans en orbite saturnienne avant de se crasher sur la planète. Et donc elle a pu vraiment assister à l'évolution des saisons sur Saturne. Et ça veut dire quoi les saisons? Ben, quand on est sur Terre, ben, quand on est dans l'hiver boréal, ben, le pôle Nord est vraiment dans la nuit. Et le pôle Nord terrestre, il reste dans la nuit pendant 6 mois. Et puis tu arrives à l'équinoxe, tu arrives au printemps. Et là, en fait, la limite jour-nuit passe par les pôles. Donc le soleil se lève au pôle Nord, se couche au pôle Sud. Et puis la limite jour-nuit rebascule quand on passe durant l'été. Durant le, à un moment donné, l'automne, l'hiver, enfin, vous comprenez. Donc, durant l'hiver, je me suis, j'ai pas été très clair. Hein. Durant l'hiver, le pôle Nord est dans la nuit, le pôle Sud est dans le jour, et puis égalité aux équinoxes, et puis quand c'est l'été chez nous, ben, c'est le jour au pôle Nord et c'est la nuit au pôle Sud. Et bien là, ce que tu vois, c'est la même chose. Donc, on voit qu'ici, à la fin de la mission Cassini, eh bien, on a basculé vraiment de saison. Et donc là, on voit le pôle Nord qui est éclairé. Donc, c'est des images qu'on ne pouvait pas voir au début de la mission. Et on voit, on le devine ici. Alors, il y a des images plus contrastées. Hein. Je peux essayer de vous en trouver. Mais on voit qu'il y a toute une structure nuageuse ici, en fait, en hexagone. C'est très impressionnant. Cette structure, on comprend pas d'où elle sort. Je vais essayer de vous montrer. Je vais 2 secondes sur le web, essayer de vous montrer ça. Je vais mettre hexagone, hexagone Saturne. Voilà. Juste un instant. Hop, comme ça vous avez la remise en contexte. Voilà, là on voit très très bien. Je vais vous mettre partager cette image-ci. On y va. C'est une image de Wikipédia. Vous allez voir, ça vaut la peine. Voilà, donc c'est la même chose, mais avec un contraste un peu meilleur. Je vous la mets ici. Regardez, on y va. Regardez quelle structure étrange, vous voyez? Vraiment au niveau du pôle, il y a cet hexagone-là parfait. Et on se rend compte que toutes les planètes géantes ont des choses bizarres au niveau des pôles, mais vraiment très très différentes. Tout à l'heure, on ira voir ce qui se passe au niveau de Jupiter. Alors celle-ci est encore plus marquée, vous voyez, dans le truc. Alors tout ça, ça bouge, hein, des nuages. Alors au milieu de cet hexagone, eh bien, c'est là que se trouve l'image qui nous intéresse. Alors je vais vous montrer ici. J'étais trop loin. Voilà. Donc ceci, c'est vraiment le pôle nord de Saturne au milieu de l'hexagone. Voilà, cette espèce de grand maelstrom. Pour tous les fans d'Edgar Allan Poe, il y a une fameuse nouvelle là autour du maelstrom cosmique. Ben, du maelstrom, en tout cas, ça y ressemble. Voilà, c'est une image assez impressionnante. Comme quoi la science a permis des prouesses dans la compréhension de notre monde. Voilà. Cet hexagone, c'est vraiment spécial, quoi. C'est Ouais, vraiment ouais, ouais. Et étrange. alors, si tu prends. Si tu prends Jupiter, bon, on verra, c'est totalement différent ce qu'on a au pôle et ça évolue au cours du temps. J'ai pas encore eu d'explication claire, donc là c'est le paradis de tous ceux qui étudient la dynamique des fluides, etc. Il faut savoir que les géantes, on dit souvent que c'est des planètes gazeuses, mais c'est un terme que moi j'aime pas parce que du gaz, a priori, on voit pas vraiment le gaz. Les géantes, on les voit. En fait, les conditions de pression sont telles sur ces géantes que c'est beaucoup de liquide. Essentiellement du liquide. Et puis après, il y a des nuages avec des cristaux, etc. Alors, il y a des couches de gaz, bien sûr, mais voilà. Et donc, ces mondes-là, c'est des mondes fluides, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de sol comme on peut l'imaginer. Ok. Alors. Alors ici, on est sur une autre photo d'infiniment petit. Là, vous êtes 97% à avoir trouvé la bonne réponse, donc facile, quoi, easy game. Mais je pense qu'on vous avait déjà montré des images lors de la précédente conférence, d'ailleurs. Donc bah, c'est bien, au moins vous avez bien retenu, donc bien joué pour ça. Alors, je vous ai déjà montré des écailles tout à l'heure, là. Et je pense, enfin, en tout cas, j'ai vu qu'on m'avait envoyé des messages pour me dire que je m'étais trompé. Donc, je fais un petit erratum et je remercie Alexia de m'avoir fact-checké. Mais donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'écailles placoïdes. Mais les écailles placoïdes sont chez les élasmobranches, et donc chez les requins. Et donc, ce sont des écailles élasmoïdes qu'on va retrouver chez les poissons téléostéens, donc les poissons, entre guillemets, normaux que vous avez tous en tête. Donc, retenez que les écailles tout à l'heure en rond, là, écailles élasmoïdes, et ici, on est sur des écailles placoïdes. Alors, c'est juste pour le nom, ça, hein, mais la différence qu'il y a aussi au niveau histologique, c'est qu'ici, on va avoir donc des écailles de requins qui ne sont pas uniquement faits d'os. D'ailleurs, il n'y a pas d'os dans un requin, déjà, donc c'est un truc qui est bizarre. Dans un poisson, vous avez retrouvé des arêtes. Dans un requin, vous n'avez pas retrouvé des arêtes parce qu'il y a tout est fait de cartilage, en fait. Donc, on a un squelette, mais qui n'est pas osseux, un squelette qui est cartilagineux. Tous les requins sont cartilagineux, toutes les raies, c'est que du cartilage, et tous des animaux bizarres,
qu'on va appeler des chimères aussi. Vous appelez ça sur Google Images, c'est assez bizarre, les chimères. Et donc, tous ces animaux-là sont dans le grand groupe des chondrichtiens, qui contient surtout principalement les requins. Et ils ont du coup des petites écailles hyper bizarres, comme ça, qu'on appelle des écailles placoïdes cette fois-ci, qui ressemblent à des petites plaques, hein, comme vous pouvez le voir, qui peuvent en fait recouvrir plus tout le corps de manière uniforme. Donc là, c'est pas une peau de requin comme une peau de requin normale comme on pourrait l'imaginer. C'est des requins un petit peu modifiés que je vais vous montrer juste après. Et en fait, c'est des plaques qui sont dérivées dedans. Alors, quand j'ai dérivé dedans, je fais des grands guillemets parce que c'est pas vraiment des dents. Mais en tout cas, c'est la même structure histologique qu'une dent de requin. C'est-à-dire que vous allez retrouver des écailles qui ne sont plus faites d'os, mais qui sont faites de dentine. Et c'est de la dentine, donc c'est la même structure que la pulpe de votre dent. Enfin, c'est juste au-dessus de la pulpe plutôt. Et au-dessus de la dentine, vous avez encore de l'émail. Et donc, on a aussi dentine plus émail, ce qui vous donne une résistance à l'abrasion de la peau de requin assez phénoménale. Je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion de caresser un requin. C'est tout rugueux, là, ou même caresser vous à la Nausicaa, par exemple. On peut caresser des raies, par exemple, et donc on sent voilà, la texture de ces écailles qui est tout à fait particulière. Et en fait, certains requins, vous avez même plutôt intérêt à pas les toucher parce que les écailles sont en épines et donc ça vous rentre dans la main. Et ici, c'est des écailles d'un requin un peu spécial, qui est un requin des grandes profondeurs que je vous montre ici. Alors, de son petit nom, je crois que c'est Isistus brasiliensis, et de son petit nom commun, c'est le Cookie Cutter Shark. Alors, c'est un requin qui est assez petit en fait, hein. Il doit faire max 50 cm, voire 1 mètre, mais c'est dans ces eaux-là, quoi. C'est pas, vous n'imaginez pas un requin, genre le grand blanc de 6 mètres de long. Et ici, vous avez un requin qui va se nourrir en venant en fait creuser des coquilles dans des grands mammifères. Donc, vous allez retrouver des baleines, vous allez retrouver d'autres requins, vous allez retrouver des dauphins. On va retrouver en fait des traces rondes. Il y a même une histoire d'une personne qui s'est déjà fait attaquer par Des crop un circles chez les animaux, en fait. Ouais, ça revient un peu à ça, ça revient un peu à ça, sauf que là, ils ont appelé ça cookie, tu vois, C'est plus c'était mignon. un peu plus mignon, c'est plus mignon. Enfin, quand tu vois la tête, là, c'est pas, je suis pas sûr que ce soit si mignon que ça, là. Mais c'est Je sais vraiment la pas, mais. tête que ça, ou Ah, c'est... ça, on l'a fait comme ça. Bon, là, il est un peu desséché, disons, tu vois, là, tu vois D'accord. qu'il est sorti du formol, donc la peau, c'est un peu, les organes sont un peu rétrécis, mais quand même, sa bouche est comme ça. Et en fait, le requin, comme tous les poissons d'ailleurs, ont cette capacité de faire partir la bouche en avant, en fait. Toute la mâchoire est mobile pour partir d'un coup en avant et créer un courant d'aspiration dans la bouche pour aspirer le poisson, en fait. Donc, en Wow. fait, il gobe le poisson en les mangeant. Et en fait, là, ce qu'il fait, c'est qu'il vient se fixer tout bêtement sur une baleine, il mord dedans. Et il tourne et il retire un cookie, quoi, en fait. Il retire un Extraordinaire, cookie de peau, c'est quoi. trop fort. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le cookie cutter shark. Alors, ce requin, non seulement déjà un système d'alimentation assez particulier, mais c'est un requin mésopélagique. C'est un requin qui va vivre dans les grandes profondeurs et dans la zone aphotique, dans laquelle il y a plus de lumière. Alors, je dis il y a plus de lumière, il fait tout noir. N'empêche que si vous regardez vers le ciel, on va toujours quand même voir une lueur, en fait. On va voir une lueur de lumière en surface de l'océan. Et donc, ces organismes, beaucoup d'entre eux en tout cas, qui sont en tout cas pélagiques, donc qui nagent dans la masse d'eau, vont émettre une bioluminescence au niveau du ventre pour ne pas que les organismes qui sont sur le fond de l'océan les voient passer au-dessus d'eux. Parce qu'imaginons qu'il y a un prédateur de ces petits requins-là qui soit en dessous d'eux, bah, s'il voit une ombre passer au-dessus parce qu'il y a la lumière de la surface, il pourrait en profiter et repérer la proie et l'attaquer. Et donc, eux vont briller avec la même intensité que la lueur de la lumière à la surface de la mer pour paraître inaperçu. Et donc d'ailleurs, parce que vous voyez des images qui sont là, ils sont bioluminescents sur le ventre, mais pas sur le dos. Et il y a juste une partie au niveau du cou qui n'est pas bioluminescente, qui est ici, vous voyez, au niveau des branchies latérales, il y a une zone un peu plus sombre au niveau du collier, et elle ne présente pas du coup de petites structures qu'on appelle des photophores, qui sont en fait vraiment des petits trous dans le but est d'émettre de la lumière. Alors, on ne les voit pas sur l'image qui est là, en fait. Donc, on se demandait, soit c'est un morceau de tégument, soit qui est pris au niveau du dos, soit qui est pris au niveau de ce fameux collier qui n'est pas bioluminescent. Parce que normalement, ce qu'on voit apparaître sur la partie ventrale, c'est en fait, entre toutes ces écailles, des trous, en fait. Donc là, vous verriez apparaître un trou, un trou, un trou. Ça ressemblerait un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure sur Saturne là, avec nos geysers par exemple. Et donc on pourrait avoir le même truc de système ici. Là on ne les observe pas et c'est en tout cas comme ça qu'on peut expliquer que ces écailles soient toutes écartées comme ça en fait, pour laisser la place aux photophores. Donc vraiment un design histologique, un arrangement des structures pour permettre aux photophores de se mettre en place
et de briller. Hop. Waouh. Alors, je continue. Vas-y. Je continue ici. Donc, on est toujours dans l'infiniment petit. Là, vous êtes 76% à avoir trouvé la bonne réponse, donc bien joué. Alors ici, c'est bien un truc qui est biologique. Hein. On pourrait s'imaginer une surface un petit peu abîmée, là, un petit Métallique ou un peu. truc comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est en effet une structure qui est un petit peu abîmée, il y a un peu d'usure là-dessus. Et en fait, c'est une coquille. C'est une coquille de mollusque, une coquille de mollusque céphalopode. Et en fait, c'est un nautile. C'est une coquille nautile. Qu'on voit là, qu'on observe à l'extérieur, en fait, c'est du carbonate de calcium, donc c'est directement un cristal, quoi. C'est du cristal qui est associé les uns avec les autres, qui forme un polymère de cristal, et puis qui peut venir se casser en surface, bah, parce que là, je crois que c'est une coquille qui a bien vécu et qui a été bien utilisée. Mais vous voyez qu'on retrouve même des petites bactéries qui sont là, on retrouve pas mal de petites crasses, souvent en microscopie électronique, sur la surface. Et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, Ah, une coquille d'accord. nautile. C'est quand même un animal qui est assez Magnifique. incroyable, je trouve. En fait, il y a plusieurs centaines d'espèces de nautiles. Il y a aussi toute la vision historique que ça a eu, découverte du nautile. Cette bestiole est tellement bizarre et elle laissé plein de traces dans la mythologie liée au nautile. Et c'est encore un animal qui est fort recherché actuellement. Il est malheureusement d'ailleurs tellement recherché que il est en fait en voie de disparition. Beaucoup d'espèces sont en voie de disparition à la surface de notre globe. Donc, ça fait partie du même groupe que les poulpes, que les calmars. Okay, on est chez les céphalopodes. Donc, littéralement, leur pied est sur leur tête, céphalopode. Là, vous voyez que la tête est là, on voit un œil. C'est un œil un peu spécial qui est comme une boîte noire, en fait, avec une toute petite pupille, tout petit cristallin qui va laisser passer directement la lumière et qui va avoir un très petit angle d'insertion au niveau de l'œil. Et vous avez ici tous les bras. Donc, il n'y a pas que 8 bras ou un multiple de 8. Souvent, c'est plutôt 90 bras. Donc, c'est un bon nombre de bras ici qui ne sont pas ventousés, en fait. Donc, c'est des tentacules qui ne présentent pas de ventouses en surface, contrairement aux autres céphalopodes. Et ils ont une coquille qui est vraiment tout à fait particulière, qui s'enroule d'avant en arrière et qui ressemble à ceci. Vous voyez qu'il y a plein de petits valves, c'est très géométrique, c'est magnifique à voir. Alors, si vous aimez bien les fossiles, vous devez chercher des fossiles d'ammonites. Et les fossiles d'ammonites, en fait, souvent quand on les coupe, on observe toute cette structure en valve qui apparaît, cette structure géométrique, mais qui est remplie de pierres, et parfois des pierres un petit peu différentes. Et donc, ça donne des trucs qui sont vraiment, vraiment très jolis. Alors ici, pour l'animal, vous dites, OK, mais comment il fait pour vivre là-dedans? Alors vous devez vous imaginer qu'en fait, l'animal vivant ne vit que dans la grande loge qui est là. Okay, la grande loge qui est là, et vous voyez qu'en fait, cette loge va grandir au fur et à mesure du temps, et on voit d'ailleurs les stries de croissance qui sont là. On voit toutes ces lignes qui viennent grandir au fur et à mesure des années, des saisons. Alors l'animal vit ici là-dedans, et on peut se demander à quoi servent ces valvules. C'est pas juste pour faire joli, en fait. Hein. C'est vraiment, vous voyez qu'il y a un tour de petit trou là ici qui laisse normalement passer un siphon. Donc on a un véritable canal qui peut passer là. Il y a une communication qui peut se faire entre ces différentes valves. Et en fait, ces valves ne sont pas vides. Elles sont remplies d'un liquide et ou d'un gaz, ce qui permet en fait au nautile de servir de ces petites valves pour faire un ballast. Il s'en Excellent. sert. S'il veut descendre, il va remplir ses valves avec de l'eau et sa flottabilité va diminuer et il va descendre. S'il veut tout simplement remonter, bien, il va évacuer un peu d'eau. Il y a du gaz résiduel qui est présent là et qui va lui permettre de reflotter. Donc, il va pouvoir contrôler sa profondeur directement sans devoir trop utiliser d'énergie, ce qui est assez utile quand vous êtes un organisme pélagique comme celui-là ou qui vit dans la masse d'eau, qui ne se pose quasiment jamais finalement. Bien C'est Guillaume, ça. rien que pour cette information, je suis content d'avoir animé cette soirée avec toi, c'est trop fort. Avec plaisir. La pousse d'Archimède en application chez les Nautiles. Exactement. D'où le nom de Nautilus. Ah, je viens de comprendre aussi. Bien. Classe. Alors, on repart dans l'espace. Et là, je vous présente la E42, donc l'autoroute Mons-Charleroi. Nous sommes sur Europe. Donc, voilà, la plupart des gens ont trouvé, mais quand même, beaucoup se sont plantés. Alors, en fait, où est-ce qu'on est ici? Je vous montre une vue d'ensemble. Voilà. On est dans la banlieue de Jupiter. Donc, en Jupiter, on la voit à l'œil nu sans aucun souci. Pour l'instant, la période n'est pas idéale. Mais en temps normal, voilà, Jupiter est tout à fait visible. C'est l'un des astres les plus brillants du ciel. Et puis, en 1609, Galilée se retrouve avec une lunette qui a été inventée un an plus tôt du côté de la Hollande. Alors, il la démonte, il l'améliore, etc. Et peu à peu, il aura un objet
qui lui permet de grossir les images une quarantaine de fois. Alors, il va observer la Lune, évidemment, que tout le monde voit depuis l'aube de l'humanité, et puis il va observer Jupiter. Alors, quand on observe une étoile, bah, même avec le plus gros télescope du monde, ou presque, on va dire, ça reste un point. Là, il se rend compte que Jupiter, bah, ce n'est pas un point, il se rend compte qu'il y a un disque, c'est la boule Jupiter, dans laquelle on peut mettre 1200 fois la Terre environ. Et puis à côté, il découvre la présence de quatre petites têtes d'épingles qui changent de position de nuit en nuit. Alors, il comprend que les quatre têtes d'épingles sont des lunes qui gravitent autour de Jupiter. Donc il y a plein de, évidemment, d'impact sur la façon dont se représentait le monde à l'époque. Et un des quatre points, je pense que c'est le deuxième en partant de Jupiter, ben le voici, vu non pas depuis la Terre avec une petite lunette, mais vu depuis l'orbite jovienne par une sonde spatiale. Je pense que c'était Galileo qui a pris ça. Et donc c'est un monde assez gros, hein. Alors j'ai plus ça en tête, mais les quatre satellites principaux de Jupiter sont des gros machins. Il y en a même un qui est plus gros que Mercure, donc c'est vraiment des gros objets. Bon, au total, Jupiter a environ 60 ou 70 lunes, donc là on est sur les quatre principales. Et cet objet-ci, en fait, vu de loin, bah, ça ressemble à une espèce de boule de billard parfaitement lisse, un monde de glace, et on voit toutes ces drôles de stries comme ça un petit peu partout. Et quand on regarde de près, je reviens ici, bah dans certains cas, on voit ce genre de choses. Et donc, ça peut vraiment avoir des lignes droites qui s'étalent sur des dizaines et dizaines de kilomètres. Et c'est un des mondes les plus fascinants du système solaire, parce que aujourd'hui, on est à peu près sûr que sous la surface d'Europe, alors la question c'est sous combien de kilomètres? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 10? On est à peu près sûr qu'il y a un océan d'eau liquide. Donc je pense, toi qui es biologiste marin, tu t'éclaterais là-bas. Et donc, s'il y a bien un endroit où on pourrait imaginer de la vie dans le système solaire, c'est probablement sous la croûte d'Europe. Et pour ceux qui aiment la science-fiction, ben, si vous avez lu 2010 Odyssée 2, ben, il y a à un moment donné une mission qui va sur Europe. Ils ne peuvent pas y aller, mais ils y vont. Il y a des bêtes macroscopiques, il y a tout ça. Parce que voilà, vous avez de l'eau, vous avez des. Il y a beaucoup de molécules organiques un peu partout dans le système solaire. Il y a de l'énergie qui vient des phénomènes de marée, etc. Et c'est probablement un des mondes les plus dépaysants aussi du système solaire. Donc c'est le monde vert glacé avec Jupiter qui serait dans le ciel haut comme ça. Et donc c'est une gigantesque banquise. Et probablement que ces lignes parfaitement géométriques sont liées à des phénomènes de pression entre plaques de glace qui appuient l'une sur l'autre avec. Probablement par endroits la glace qui fond mais qui regèle tout de suite, ou lors des remontées aussi de liquide qui viendrait du bas. Et la chose Ces la plus incroyable, lignes c'est évoluent dans le que, temps. tu dis? Ces lignes évoluent dans le temps. Alors, depuis qu'on l'observe, on ne le voit pas, on ne voit pas d'évolution, mais il n'y a pas longtemps qu'on les observe à haute résolution, donc ça c'est la grande question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on s'était dit, ben, si on veut savoir ce qu'il y a sous la croûte de glace, il faudra attendre des décennies d'être en mesure d'envoyer un robot qui puisse forer les kilomètres de glace et d'aller voir en bas, en essayant de ne pas contaminer ce qui est en dessous. Mais il y a eu un rebondissement prodigieux, en fait, il n'y a pas longtemps. Il faut savoir que Hubble, le télescope spatial, une fois par an, il prend une image des satellites de Jupiter. Une espèce d'image de routine, comme ça. Et sur plusieurs images, on a repéré des geysers qui sortent d'Europe. Donc une espèce de plume, un panache qui sort d'Europe toujours du même endroit. Mais donc ça veut dire qu'en fait, cet océan d'eau liquide, s'il existe, et on est à peu près sûr qu'il existe, ben, il ne serait pas complètement hermétique, il y aurait des fuites. Et donc là, en 2022, donc ben, c'est l'année prochaine ou 2023, il y a une première sonde qui va partir explorer les lunes glacées de Jupiter. Et puis un peu plus tard, il y aura une sonde européenne qui va aussi partir. Donc les sondes glacées, les mondes de Jupiter vont vraiment être étudiés à mort avec des radars, donc ils vont nous permettre d'étudier ce qu'il y a dans le sous-sol. Et là, on pourra même imaginer qu'une des sondes traverse ce panache s'il est encore présent. Voilà, ça fait partie des endroits les plus fascinants du système solaire, quoi. Donc ça, c'est Europe. Voilà, voilà. J'ai une question peut-être un peu idiote, mais du coup, est-ce que Encélade est aussi une lune de Jupiter ou pas? Alors, Europe, c'est tu es autour de Jupiter, Encelade, tu es autour de Saturne. Voilà. Mais c'est aussi une lune glacée, non? Alors, J'ai oui, souvent c'est le même genre des idées. de structure. Alors, Encelade, c'est un objet qui est tout petit, en gros, c'est le diamètre de l'Angleterre. Hein, donc, on ne comprend même pas comment ce truc, il est rond, il est actif. Mais l'activité. Alors, tu me demandais si ça bougeait. Mais sur Encelade, tu as des géophysiciens qui sont amusés
à observer il y a plein de failles aussi comme ça. Alors il y a une zone qui est très active au niveau d'Encelade. Je vais vous la montrer tout de suite. Hein. On va aller chercher l'image. Je vais taper ici Enceladus. Voilà, North Pole. Voilà, je vous montre ces images tout de suite. Voilà, il y a celle-ci qui est sympa. Je vous la partage dans un instant. On y va. Hop. Voilà, donc tu parlais d'Encelade. Voici Encelade ici. On va cliquer en grand. Voilà. Alors, si tu veux, dans Encelade, ce qui est intéressant, c'est que tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de cratères en fait. Donc, ça veut dire qu'en réalité, Encelade, il a dû être bombardé comme tout le reste dans le système solaire. La Lune a été bombardée, il n'y a pas de raison que ceux-ci ne soient pas bombardés. Mais s'il n'y a pas beaucoup de cratères, à part les trous qu'on voit ici, c'est qu'il y a un mécanisme qui efface les cratères. Mais lequel? Parce que, a priori, ce machin est trop petit, trop loin. Donc, on pensait qu'il ne devait pas y avoir d'activité. Et quand la sonde Cassini a survolé la zone ici, tu vois, où il y a les quatre lignes parallèles, là, on est vraiment au niveau du pôle sud, c'est exactement ici, quelque part là. On s'est rendu compte qu'il y avait une atmosphère qui était localisée là. Donc, si tu passes ailleurs, il n'y a pas d'atmosphère, et là, il y a une atmosphère. Et donc, on s'est rendu compte via d'autres images que je vais essayer de vous montrer. En fait, il y a donc les failles qu'on voit, ce qu'on voit ici, ce sont des failles volcaniques, des geysers qui crachent des particules de glace d'eau, des molécules organiques et de la poussière. Et donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça rebouche, tu veux, les cratères d'impact. Et donc là, on est à peu près sûr aujourd'hui que sous ces failles qu'on appelle les griffes du tigre, tu imagines un tigre qui a griffé la planète, ben, l'astre. Il doit y avoir une poche de liquide. Donc là, probablement, c'est un océan qui est plus petit, plus restreint qu'au niveau d'Europe. C'est complètement Europe qui est un océan de liquide. En tout cas, il y a une grosse poche de liquide que là, c'est plus localisé. Mais c'est le même genre de bestiole, si tu veux. Alors, je vais te montrer pour terminer. Voilà, alors là, c'est une image. Ici, on voit. Je vais vous la partager aussi. On voit le geyser. Ici, en tout cas, c'est une coupe. Il n'a pas voulu la prendre. Je reviens là, s'il veut bien. Voilà, les geysers en fait sortent d'ici. Alors ça c'est un dessin, c'est pas une photo, mais il y en a d'autres. Mais on pourrait, voilà, ça c'est une vraie image ici en fausse couleur. Et on voit les geysers qui sortent du pôle sud d'Encelade. Voilà, je sais pas s'il y en a d'autres. Et là c'est une vue d'artiste. Donc tu es au pôle sud d'Encelade, tu vois les geysers qui crachent ici et au loin Saturne qui est figé dans le ciel. Voilà. Donc ça Wow. c'est les petits mondes glacés du système solaire. Alors maintenant, Super. on change complètement. Alors là, on arrive avec toute une série d'images où je pense que c'est là que les gens se sont tous plantés. Oui, on est pratiquement à 50-50 ici. Hein. Ça aurait pu être les cailles d'une de tes bestioles, marine ou pas marine. Tout à fait. Ici, ben, on est sur une planète du système solaire, planète tellurique, planète de type terrestre. Bienvenue sur Mars. Alors il faut savoir que sur Mars, c'est une planète qui a une géologie très très variée. Donc là, par exemple, vous avez trois volcans géants, donc l'espèce de trois. Alors c'est pas poétique ce que je vais dire, mais l'espèce de trois gros furoncles qu'on voit ici, c'est trois volcans géants qui dépassent les 20 000 mètres d'altitude. C'est ce qu'on appelle les monts Tharsis. Il y a le mont Olympe qui est derrière ici, hein, encore plus grand, qui fait 25 km de haut. Là, vous avez cette gigantesque balafre qu'on appelle le Valles Marineris. Donc c'est un canyon géant à côté duquel Canyon des USA est un nain de jardin. Et puis vous avez toutes sortes de choses. Hein. Vous avez un hémisphère nord qui est assez lisse parce qu'il y a beaucoup de lave qui est venue boucher justement les anciennes surfaces. Et puis l'hémisphère sud, quand vous zoomez là-dessus, ce sont des vieux terrains. La lave n'a rien bouché. Beaucoup de cratères et des rivières qui ressemblent à des rivières asséchées. Voilà. Et donc, dans tous ces déserts martiens, ben, on retrouve beaucoup de dunes. Et donc, ce qu'on voit là, je pense que voilà, ce qu'on voit ici, c'est vraiment des dunes martiennes. Et on peut même deviner le sens du vent. Le vent probablement souffle par ici. Et on trouve souvent ces dunes dans le fond de certains cratères. Alors, il y a des teintes comme ça, un peu différentes. Tout à l'heure, on ira voir des noirs. Alors, je ne me souviens plus très bien si ici si on a des vraies couleurs, mais à mon avis, on doit pas être très très loin de la vérité. Donc voilà, donc on est des dunes sur Mars. Alors, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'on ira en voir d'autres. Et tant qu'on y est, ben voilà, je pense que ceci, ça ressemble aussi ce qui aurait pu être aussi des dunes, hein, des dunes martiennes. Mais là, ça n'en est C'est pas. Je te laisse la parole.
C'était un peu l'idée du Book Club aussi, hein. C'est qu'en On a fait, à la été base, chiens quand même, on a vraiment été chiens. quand on avait voulu faire ça, on s'était dit on va leur mettre des structures qui se ressemblent un peu pour montrer qu'en fait, on va vraiment retrouver des similarités de structure entre parfois l'infiniment petit et l'infiniment grand, quoi. Alors qu'il n'y a pas toujours de lien, mais montrer que la manière dont les formes peuvent apparaître et émerger obéit parfois aux mêmes lois physiques, en tout cas, et donc va croître et va se former de la même manière. En tout cas, ici, vous êtes. Je crois qu'on dirait que l'infiniment petit était plus facile à détecter que l'infiniment grand. Hein. Donc, parce qu'à chaque fois, les images de l'infiniment petit, vous avez été meilleurs à chaque fois. Là, vous êtes encore 81% à trouver que c'était l'infiniment petit, puisque c'est en effet de l'infiniment petit. Et en fait, on reste encore une fois chez des écailles. Troisième fois que je vous parle d'écailles aujourd'hui. Donc, c'est encore des écailles d'un autre requin. Alors, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on va retrouver chez une écaille de requin normal, type grand requin blanc, par exemple. Mais ce n'est pas encore exactement la même chose. Si vous prenez un requin blanc, par exemple, un squale de manière générale, en fait, ici, c'est un des types de squale, mais avec une peau déjà un peu plus spéciale. Non, c'est un peu plus plat, normalement, les écailles. Et normalement, ça ressemble à ceci. Hop. Vous regardez l'image qu'on a ici en bas à droite, là. C'est pour ça qu'on les appelle les images des écailles placoïdes. Elles sont en plaques. Avec, en fait, vous voyez, donc, ces sortes de recouvrement donc de dents et Ça d'écailles ressemble vraiment avec au des dude de tout lignes. à l'heure, hein. La forme est la même, hein. T'avais une espèce C'est de ça, exactement. creux, c'est dingue, hein. Et en fait, ça permet d'avoir le meilleur hydrodynamisme possible, parce que vous devez imaginer qu'en fait, que les flux d'eau vont passer dans ces rainures et augmenter la portance, et en tout cas diminuer au maximum la traînée de l'animal. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de friction entre la peau de l'animal et l'eau de mer. Donc là, je vous ai mis un Qualus, dont d'ailleurs j'ai oublié le nom vernaculaire, mais c'est un requin que vous allez pouvoir trouver, c'est l'aiguillé si je me souviens bien, que vous pouvez retrouver en Méditerranée, ce requin-là. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que la peau de requin, elle sert depuis longtemps à faire du biomimétisme, c'est-à-dire de s'inspirer de certaines capacités de la nature pour pouvoir en avoir des applications au niveau humain, et notamment au niveau de certaines combinaisons de natation. Et en fait, si vous regardez au microscope, vous Excellent. voyez qu'il y a une grande similarité entre ces types de combinaisons et de la peau de requin. Alors, pour la petite histoire, je ne sais plus à quel JO c'était sorti ou dans le championnat du monde, mais au moment où ils ont mis en place cette combinaison pour les nageurs, bah, tous les records sont tombés. Tous les records du monde sont tombés. En fait, tous les gens qui avaient assez d'argent pour pouvoir se payer la combinaison, bah, ont battu tous les records. Donc, tous les records du monde, pouh, tout a explosé. Et puis, en fait, à un moment, la fédération de natation a décidé d'en fait, d'annuler tous ces records et de faire interdire ces combinaisons-là en disant, écoutez, voilà, là, c'est scandaleux, ça apporte vraiment un surplus qui n'est pas vraiment humain. Et donc, on considère que c'est vraiment un peu un accessoire de triche, qu'en plus, que tout le monde ne peut pas se payer. Et donc, finalement, ils ont annulé ça. Donc, c'est marrant d'amener un truc biomimétique qui se donne vraiment. Là où justement en natation, on était vraiment arrivé pas mal aux limites des records, ils ont mis ça en place, pouf, tout a C'est explosé. dingue. C'est vraiment impressionnant à voir. Fantastique. Alors là, c'est encore à moi ici. On retrouve un truc un peu comme ça en structure de croissance, mais cette fois-ci, c'est plus du tout une écaille. Hein. On va changer complètement de groupe. On n'est plus chez les vertébrés, on est chez les invertébrés. C'est toujours infiniment petit, comme vous avez pu trouver, à 86%. Et ici, ben, si vous êtes arachnophobe, je vous préviens quand même de fermer les yeux un petit temps, parce que la seconde IA, ben, elle vous montre une belle araignée loup. Alors souvent les araignées, on peut vraiment dire à quelle famille elles appartiennent en fonction de la disposition de leurs yeux. Et les araignées loups, elles ont des deux gros yeux comme ça, avec des petits yeux ici par en dessous, là, qui ne sont pas, c'est pas encore la même chose que les yeux d'insectes qu'on verra un petit peu après. Et si vous regardez bien, en fait, sur cette araignée loup, une lycosidée. En fait, on va retrouver bah, plein de petits poils un petit peu partout. Ça, c'est assez typique. Alors, on ne dit jamais des poils normalement chez un insecte ou chez une araignée. On va parler de soie. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a des plus gros poils qui ressortent. Donc, il y a plein de petits poils, mais il y a des gros poils aussi, en fait. Et ces gros poils s'appellent des trichobotrys. J'ai dû le noter parce que je l'oublie à chaque fois. Et en fait, Tu me déçois, Guillaume. Oui, c'est exactement ça en fait. Donc tricot en général, c'est pour de soie en fait. Je sais pas si, je veux dire que c'est l'étymologie du tricot, mais tric, TRICH, en grec, c'est la soie, c'est de là que ça vient. Et botrium, c'est pour dire la cavité. Donc ouais, c'est des cavités tout à fait spéciales qui sont creusées dans le tégument de l'araignée, qui permettent aux poils de s'insérer, enfin la soie du coup de s'insérer dans ce dispositif et d'être connecté directement à une sensi nerveuse, donc un système nerveux qui lui permet
de s'adapter. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette structure-là, donc vous voyez qu'en fait, il y a des sortes de disques tout autour, on a un promontoire rond qui est ici, permet en fait une extrême mobilité de la soie. C'est-à-dire que toutes ces petites zones vont pouvoir venir faire un effet de ressort l'une par rapport à l'autre, savoir se compresser, savoir se dilater. Et donc ça permet d'avoir une très grande sensibilité, ce qui nous permet en fait de faire de la mécanoréception. Ça va vous servir à l'araignée, dès qu'il va y avoir un petit courant d'air, de venir sentir d'où vient le courant d'air. C'est vraiment une sorte de sens de toucher décuplé. Et ça revient exactement, en fait, si vous avez un chat ou un chien, un animal de compagnie, de manière générale, vous allez avoir les vibrisses. C'est exactement la même chose, quoi. Donc, vous allez avoir un animal avec son pelage, avec tous ses poils, et vous allez avoir les vibrisses qui sont bien plus longues et qui sont même un peu différentes d'un point de vue histologique. Hein. Donc, par exemple, bon, il faut savoir que vous ne pouvez pas couper les vibrisses de votre chat ou de votre chien, parce qu'il va avoir mal, c'est pas juste un poil. En fait, là, la structure nerveuse va jusqu'au bout du poil. Donc, si vous lui coupez une vibrisse, il va en souffrir. En fait. Donc, il faut surtout éviter de faire ça. Bon, je vais tailler les vibrisses de mon chien ou mon chat. C'est d'office une mauvaise idée. Ici, c'est pas encore vraiment le cas. Mais c'est pour vous dire, voilà, il y a deux types de poils différents, quoi. On va retrouver une sorte de grosse soie qui vient de détecter les sensibilités mécanoréceptives. Comme vous le savez déjà, probablement, les araignées ont de grandes capacités de mécanosensation. Puisque ben, au niveau des toiles, elles doivent pouvoir sentir une petite mouche qui vient s'écraser dans un moment, un endroit dans la toile d'araignée. Et quand ça fait vibrer ces petits poils, ben, ça leur permet en fait de s'adapter, de savoir d'où vient le vent. Vous avez des araignées parfois qui sautent, qui sont portées par le vent pour atterrir à un autre endroit. C'est comme ça que parfois, quand vous voyez une toile d'araignée en plein milieu de votre jardin, vous vous dites, mais comment elle a fait pour tisser ça? Il n'y a pas de support, quoi. En fait, elle se met dans un coin, elle monte sur une clôture. Elle met un petit fil de soie avec des glandes sétigères qui produisent la soie d'araignée. Elle saute, transportée par le vent, elle retombe de l'autre côté, et puis ben, elle refait un petit nœud de l'autre côté, elle a son premier fil de soie, et de là, elle peut faire sa toile d'araignée, par exemple. Oh, c'est Qui va, super. du coup, tout est hypersensible lié à ça. Et sur ce, je vais passer à la prochaine. Et c'est toujours dans l'infiniment petit. Voilà, vous êtes 97% à avoir trouvé, donc c'est vraiment trop facile quand vous êtes déjà des pros de la microscopie électronique. Je pense que pas mal d'entre vous ont déjà vu cette image-là. C'est ce qu'on appelle des zomatidies. Donc, c'est les petites facettes qu'on vient retrouver sur les yeux complexes des arthropodes. Alors, si je n'ai pas su retrouver le nom de l'échantillon, donc je ne peux pas vous dire si c'est un crustacé ou un insecte. Du coup, dans le doute, bah, j'ai quand même mis les deux en réalité. Donc là, vous avez par exemple un œil de diptère ici, donc d'un insecte du groupe des mouches. Et là, je vous ai mis des yeux de crustacés. Là, vous avez un petit crabe fantôme ici qui est là. Et en fait, là, on le voit moins bien que chez le diptère. Mais si vous venez zoomer sur l'œil, on retrouve toutes ces zomatidies. Ces zomatidies qui ont une très grande morphologie, une grande diversité de morphologie dans le groupe des arthropodes. Parce que le groupe des arthropodes, donc arthropodes, ça veut dire pattes articulées, arthropodes, en fait, c'est le plus grand groupe d'organismes qu'on a à la surface de notre planète. Donc, pour vous donner une idée, on a 2 millions d'espèces décrites, donc plus ou moins 10 millions d'espèces estimées, mais seulement 2 millions d'espèces décrites par les taxonomistes, les spécialistes biologistes de la classification. Et dans ces 2 millions, on a plus d'un million d'espèces différentes d'arthropodes, qui va regrouper ben, les crustacés, les insectes, les arachnides, etc. etc. Alors, ce que vous allez retrouver, donc, c'est ces yeux en nomatidie. Je vous ai quand même mis d'autres types d'yeux, qui étaient assez fun à voir. C'est que là, vous allez voir sur beaucoup d'insectes, vous allez voir ce qu'on appelle des ocelles. Et qu'il y a trois petits yeux qui sont là, hop, hop, qui ne sont pas des yeux composés. Ça va être des yeux simples. Et vous en retrouvez d'ailleurs un ici sur la tête de la mouche. On en voit un, les deux autres sont ici C'est sur un les peu de côtés. recul en fait, ça. Pardon? C'est son radar de recul. Bon, pour imaginer. En tout cas, ça leur permet probablement de synchroniser leur horloge interne avec notamment les rythmes circadiens, la détection de la lumière. Donc, ça permet de synchroniser tiens, il fait jour ou il fait nuit. Ça permet aux espèces nocturnes de savoir ben, quand il faut sortir, pour quand c'est le jour, ou aux espèces diurnes de savoir quand c'est la nuit pour pouvoir rester caché, par exemple. Et donc, on ne sait pas encore exactement à quoi ça sert, mais ça aurait aussi un rôle dans le maintien du cycle hormonal, par exemple. Donc, savoir que quand c'est le matin, ben, comme nous, tiens, quand c'est le matin, on a un pic de cortisol le matin pour se réveiller, quoi. Mais ça jouerait un peu le même rôle de synchronisation du système endocrinien, donc du système hormonal associé à l'animal. Et comme je vous parlais de yeux et en même temps d'arthropodes, je me devais absolument de vous montrer la tête de cette fameuse crevette mante, qui a vraiment une tête incroyable. Alors, elle,
au niveau vision. Donc, elle a des capacités de chasse folles et je ne veux pas en parler, sinon on va encore passer 1 heure. Mais cette crevette menthe, elle a, vous voyez, 2 yeux qui sont ici, mais sur chaque œil, on le voit un petit peu ici, il y a trois ombres là, il y a 3 petites taches en fait, qui vous indiquent qu'elle n'a pas. En fait, elle a aussi des yeux composés, il y a aussi des ommatidies, mais ces ommatidies vont être en 3 zones, en 3 régions, une régionalisation des ommatidies, ce qui fait qu'en fait, en plus de toutes ces petites facettes qui donnent une image différente, elle va aussi avoir 3 rétines en fait, en plus derrière. Et donc, elle n'a pas une vision binoculaire comme nous, mais une vision sixnoculaire. Et en plus de ça, elle voit un bon nombre de couleurs que nous, on n'est pas capable de voir. Alors, c'est souvent le cas chez les arthropodes, hein, ils voient bien souvent. Ils vont venir voir dans les UV, parfois dans les infrarouges. Ils voient même les longueurs d'onde polarisées, et les crevettes menthes verraient même les longueurs d'onde polarisées circulaires, ce que je n'arrive pas du tout à imaginer. Je ne comprends même pas de près ou de loin ce que ça peut être, mais des ondes polarisées circulaires, ça me vend juste du rêve, et donc je suis content avec ça en tout cas. Moi, j'avais une Mais. question. Si on prend l'œil humain, il y a un cristallin qu'on peut modéliser comme une lentille, etc. Mais dans ton ommatidie, il y a quoi en fait? Ça détecte juste la présence de lumière et c'est tout? Ou Non, bien non, on sait c'est des ça mécanismes permet de une réelle vision. focalisation? Ça fait vraiment une image, quoi. Ça permet réellement une vision parce que, en fait, on distingue 2 choses en général. On va distinguer la photoréception et la véritable vision. Donc, la photoréception, c'est juste en effet le fait de détecter une information lumineuse. La vision va permettre elle, de détecter des couleurs, de détecter des mouvements, de détecter des formes. Donc, on a vraiment un signal en plus qui apparaît. Et les ommatidies permettent de faire ça. Alors, il semblerait. Avant, on imaginait que chacune de ces facettes permettait de voir la même image, mais avec un angle un petit peu différent, en fait. Et donc, on imaginait une mouche comme regardant dans un kaléidoscope avec plein de fois la même image qui s'entourait les unes par rapport aux autres. Et puis, il s'avérerait que non. Donc, les dernières études ont tendance à montrer que chaque ommatidie va avoir une partie de l'image. Et donc, en fait, il ne le voit pas de manière si différente de nous. En fait, il voit plus ou moins comme nous, probablement pas avec la même résolution, on est d'accord. Mais avec plein de petits losanges, quoi. Donc, vous devez imaginer que tous les petits losanges permettent de former des différentes images. Alors, quel est l'intérêt de ça? Ben, faut d'abord savoir que les insectes, les arthropodes de manière générale, ont typiquement une croissance en métamérisation. Mais en fait, dans la manière de grandir de l'animal, c'est des mêmes segments qui viennent se mettre les uns après les autres, vraiment par unité, en fait. Une segmentation, un peu comme nous, on a une segmentation de la colonne vertébrale, avec les vertèbres qui se suivent les unes par rapport aux autres. Eux, ils ont ça par segment de corps. Il semblerait que les yeux vont venir se développer comme ça. Alors, quel est l'avantage de l'ommatidie? C'est que bah, si vous venez abîmer une zone de l'ommatidie, c'est pas grave, il y a tout le reste qui fonctionne, par exemple. Et donc, si vous prenez un choc, vous êtes un insecte, vous prenez un choc sans le faire exprès, vous abîmez une partie de l'œil, c'est pas grave. Il y a les autres facettes qui fonctionnent et a priori, vous n'allez pas détruire l'entité, la manière de voir, juste par un petit choc. Alors, vous associez ça avec un système nerveux qui est ultra rapide, parce qu'il n'y a pas de gaine de myéline qui vient isoler les nerfs de la plupart des insectes. Ça vous donne un truc qui est très difficile à écraser, bien entendu. Parce que vous voyez une mouche que vous voulez écraser, bah déjà, elle vous voit de loin, parce qu'elle a quasiment une vision en 360 degrés, là, avec ses 2 globes. Et en plus de ça, la vitesse du système nerveux passe très rapidement. Donc, elle peut s'échapper. Difficilement, c'est pour ça que c'est si dur d'écraser une mouche, en fait, qu'elle vous voit venir de loin. Voilà. Alors je voulais te Je vais montrer Guillaume parce que en discutant avec toi, ça m'a fait penser à quelque chose. Je vais vous partager ceci. Alors voilà, c'est le télescope que les Européens sont en train de construire au Chili. On est vraiment dans la suite de la nuit des deux infinis. Ce sera télescope le plus grand au monde. Alors je vais te montrer une image Finesse, c'est génial. ici. Non, ça c'est pas ça que je vais vous montrer. J'enlève ça. Alors regarde les voitures à côté du télescope. Oh, Il il y a a une des, y a, enfin, c'est un truc de fou. En fait, je pense que le télescope fait 30 ou 40 mètres de diamètre. Mais évidemment, le miroir est tellement grand que tu peux pas avoir un miroir monolithique. Donc, si tu veux, les plus grands miroirs en un seul morceau de télescope, ce sont des miroirs qui font typiquement 8 mètres 4. Ça, c'est le record. Mais ce type de télescope-là, ce sont des mosaïques. Alors, mais c'est un truc de fou parce qu'il faut piloter les milliers de miroirs. Je ne sais pas celui-là comment il fait, est-ce que c'est des miroirs d'un mètre, je ne me souviens plus très bien.
Mais donc il faut que tout ça va être piloté en live pour redonner la forme parfaite de la parabole en tenant compte de la déformation liée à la gravité. En même temps, ils vont essayer de corriger les perturbations atmosphériques. Donc la montagne a été abrasée déjà pour installer le télescope. Je vais essayer quand même de te montrer en image de synthèse à quoi ça va rester. Voilà Ça a ici. l'air incroyable. Parce qu'en plus, Voilà, la précision de ce truc-là, ça doit être au micron, j'imagine, pour voilà. synchroniser le Alors miroir par là, on voit rapport les maquettes. Ici, ça c'est le secondaire. J'ai vu une photo. Voilà. Et tu vois, ça me fait penser vraiment à tes ommatidies ici. C'est pas joli au ça? fond. Un bel exemple de biomimétisme, alors. Oui, à part que je sais pas si les astronomes connaissent l'existence Waouh. de ça. Mais Wow. voilà, c'est fou, Est-ce que tu connais la précision qu'il hein. faut pour aligner ces trucs-là? Est-ce Mais que c'est écoute, genre en seulement fait, des microns? quand tu crées un miroir de télescope, il faut qu'en général. Le plus gros défaut pour un bon télescope d'amateur taillé à la main par des gens comme nous, au club d'astro de l'UNIF, on a eu à un moment donné un petit atelier de construction et il y avait des copains qui étaient des vrais maniaques. Et donc sur le miroir, ils arrivaient à avoir le plus gros défaut qui ne dépassait pas un dixième de la longueur d'onde. Donc si tu estimes une longueur d'onde moyenne de 500 nanomètres, ben le plus petit défaut c'était 50 nanomètres. Bon, là, c'est à mon avis, on est probablement encore plus élevé, il faudrait vérifier, mais sur une surface énorme de 30 mètres Oh. et qui peut bouger dans toutes les directions. Enfin, voilà, donc ça, c'est en construction pour l'instant, ils sont très forts. Voilà. Voilà, on voit vraiment toute la machine ici. Voilà. Le ELT, Extremely Large Telescope. Alors, s'il est ici, je pense qu'il y a une image en grand. Bon, il veut pas me l'agrandir. Enfin voilà, on en reparlera de façon un jour ou l'autre dans nos confs. Je vais rajouter ça sur ma to-do list, aller visiter ce petit télescope-là. Ça Voilà. a l'air très sympa. Ah oui, c'est sympa. Voilà. Alors on revient maintenant à notre truc ici. Je ferme là. On est quand même deux sacrés bavards, hein, mec. C'est terrible. Hein. Tu mets trois images, on est parti pour 3 heures. Voilà. Et encore, je crois Ah. qu'on essaie de se limiter, quoi. Et Mais encore, oui, on vas-y. fait attention. Alors. L'image là, attends, je vais enlever notre truc ici, je reviens là. Cette image-ci, donc tout à l'heure, moi j'avais complété mes dias hier soir, Guillaume, tu as fait ça tout à l'heure, et puis tu me dis, ah, mais tu as oublié l'image numéro 15, etc. Et donc j'ai repris l'image, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai oublié ce que c'était. J'avais une hypothèse qui s'est avérée plus ou moins juste, mais c'était pas tout à fait juste. Donc on est clairement dans l'infiniment grand, donc là tout le monde, la plupart des gens se sont plantés. Et là, on est à nouveau sur Mars. Alors, en général, je vais vous montrer l'image d'origine qui est une image un peu colorisée. Voilà, ça c'est l'image d'origine. Ce qu'on voit là, ce sont des dunes. Et toutes ces dunes, en fait, sont fixées les unes sur les autres. Il y a des bords un peu plus épais. Et puis, ça donne naissance à ça. Mais en fait, c'est vraiment trompeur. Parce que dans certains cas, sur Mars, on trouve ce genre de choses. Je vais vous le montrer ici. Voilà. Moi, je pensais trouver ce genre de truc, ce qu'on appelle des terrains polygonaux. Ça n'a rien à voir avec des dunes. Ce sont des zones, en fait, espèce de mécanisme qu'on peut trouver du côté des régions terrestres où il fait très froid, style permafrost, Sibérie, etc. En général, quand on a ça veut dire que dans le sous-sol, il y a de la glace et qu'il y a peut-être eu des zones, des périodes de gel, dégel, etc. Et ce qu'on voit, c'est que les zones brillantes ici, c'est des zones où il y a une accumulation de glace. Par contre, ici, il n'y a plus de glace. Donc, ça peut être des zones de gel-dégel qui font ça. Ça peut être un terrain qui était boueux et qui s'est asséché, qui a donné naissance à ça. Je pense que sur Terre, on voit des fois, hein, quand il y a un peu de sécheresse, ou espèce Donc, tout ça n'est pas ultra clair, mais enfin, typiquement, les terrains polygonaux, ça veut dire qu'il y a eu de l'eau dans le sous-sol. Glace, différents cycles, etc. Mais ce qui est amusant, c'est que celle qu'on vous a montrée, ça c'était vraiment chien parce que c'était des dunes. Alors des fois après, il y a des phénomènes d'érosion, il y a des phénomènes où les dunes peuvent devenir un peu plus dures, ou à un moment donné, on ne sait même plus ce que c'est réellement et on peut se tromper et dire que c'était lié à la présence d'eau. Enfin voilà, c'est vraiment des choses étonnantes. Et donc là, pour semer le doute, il n'y avait rien de mieux que ces images pourries de dunes et de sols polygonaux martiens. Donc voilà. J'avoue que même moi j'ai eu le doute, hein. C'est-à-dire que quand j'ai vu cette image-là et j'ai vu que tu avais rien mis, je me dis, oh, peut-être qu'en fait c'est un truc d'infiniment petit, c'est moi Non, qui non, donne les non, quelques c'était bien cours, mais marqué, du hein, coup vous bien savez pas marqué. quoi mettre, Ah, donc ça, ça c'est va, c'est magnifique, impressionnant. par contre, sur glace. C'est joli ça. Et Oui. alors là, vous êtes encore la majorité des gens à avoir trouvé, à 95%, là, bien joué. On a un grain de pollen en fait ici. Ceci, c'est un grain de pollen. Alors, le grain de pollen, il y en a une énorme
une énorme diversité de morphologie, encore une fois. Et en fait, ce qui est assez sympa, c'est qu'on va pouvoir, en fonction de la forme du grain de pollen et de sa taille, on va pouvoir savoir de quel type de plante ça vient. Et donc là, par exemple, c'est un grain de pollen de l'amier pourpre, par exemple. Alors là, je sais parce que c'était, je le sais pas de tête, mais je le sais parce que c'était le nom de l'échantillon. Donc j'ai été rechercher l'image ici d'un lamier. Et donc vous voyez, en fait, il y en a ces structures-ci qu'on appelle des étamines, qui sont Mais ces c'est petits quoi un tiges. lamier? C'est quoi? C'est un buisson? C'est une plante? C'est une fleur? C'est C'est une plante. C'est une OK. plante. Enfin, en fait, lamier, c'est un nom général. Ça peut désigner différentes espèces. Il y a le lamier blanc, le lamier pourpre. Donc, ça désigne plusieurs espèces et ça désigne surtout une famille. En fait. Donc, il y a la famille des Lamiacées, en fait. Et la famille des Lamiacées ont ce type de grain de pollen. En tout cas, ça peut être ce type de grain de pollen, plus d'autres types de grain de pollen. Hein. Donc, il n'y a pas qu'un seul type de grain de pollen, malheureusement, par famille. Ça serait trop simple sinon. Donc, sinon, c'est un mélange. Là, vous voyez, par exemple, un mélange aux différents types de grains de pollen qu'on peut avoir de différentes morphologies qui ne sont pas spécialement associées au lamier pourpre. J'ai juste tapé pollen dans Google Images pour vous montrer une belle photo en diversité. Alors, ce qui est assez marrant avec les lamiacées, ce sont des plantes à fleurs, donc des angiospermes, qui vont se reproduire souvent par entomophilie. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser les insectes pour porter du pollen, et donc elles vont faire ce qu'on appelle de la pollinisation. Et elles ont un truc qui est assez particulier, que font aussi d'autres espèces de plantes, comme les ophrys, par exemple, c'est qu'elles vont, vous voyez, elles ont quand même une forme tout à fait particulière. Et donc la forme particulière des fleurs, en général, va être adaptée à un insecte particulier ou à un groupe d'insectes particuliers. Alors, je ne sais pas si on vous avait déjà parlé lors d'une précédente conférence de la pseudocopulation. Alors, je ne sais pas si le lamier pourpre est censé faire ça, mais ça ressemble un petit peu à un ophrys. Il n'y a pas les mêmes couleurs que l'ophrys, qui est une orchidée, mais on a cette structure-ci. Et quand vous voyez deux étamines comme ça, c'est souvent un petit peu typique de ce mode de reproduction qu'on appelle la pseudocopulation. Et donc la pseudocopulation, qui a un autre nom, je crois que c'est la déception sexuelle, si je me souviens bien, qui en fait implique qu'il y a un insecte pollinisateur qui va venir pour se reproduire en fait là-dessus. Parce qu'en fait, ça ressemble à un arrière-train de bourdon, ça, avec, vous voyez, deux sortes de petites ailes comme ça, là. Et donc, en fait, quand vous avez un mâle bourdon qui arrive, qui sort de diapause, donc qui sort de son sommeil d'hiver, il arrive, il voit un truc qui ressemble à une femelle, et parfois même qui sent comme les femelles. Donc, certaines fleurs vont même imiter les phéromones des femelles pour pouvoir attirer les mâles. Et en fait, les mâles vont venir pour essayer de se reproduire. Et en fait, quand ils viennent appuyer sur cette zone-ci, quand ils viennent atterrir sur la petite piste d'atterrissage qui est là, ben en fait, les deux étamines qui sont là, elles basculent vers l'avant, et donc elles viennent tapoter le dos du bourdon, et ils se retrouvent plein de pollen. Et donc ensuite, après, lui, bon, il est déçu, donc déception sexuelle, mais il va revoler, et puis il va faire « Oh cool, une femelle !» Et il va se refaire avoir, donc il va se reposer sur une autre plante, et il va disséminer le pollen comme ça, de plante à plante, quoi. Donc c'est encore un beau système de C'est coévolution ça. ici, entre le pollinisateur et la fleur. Dis C'est ta assez photo de droite, je suppose que les couleurs, c'est juste pour le colorisé. fun. C'est colorisé en effet. Donc c'est vraiment une image de microscope électronique qui a été colorisée par la suite. Pour aller voir les pollens, il faut absolument un microscope électronique ou ça se voit un microscope normal? Ça se voit au microscope normal. En fait, il y a certains grains de pollen qui se voient même avec une bonne loupe binoculaire. Et après, avec un microscope normal, ça se voit très bien, sans souci, quoi. Et Exactement. le fait que les gens sont allergiques, en fait, c'est lié à quoi? Pourquoi on est spécifiquement... Bah, c'est bon. Bon, je suppose que, évidemment, ça rentre dans les voies aériennes du corps humain, parce que c'est petit, c'est léger, et puis le corps réagit... Donc, c'est une réaction qui se fait à base d'histamine. Donc, c'est une sorte de réaction d'inflammation qui se met en place dans le corps et ça peut aller loin, quoi, je veux dire. Donc, a priori, ça n'arrive pas vraiment avec le pollen, mais ça peut engendrer ce qu'on appelle des chocs anaphylactiques quand ça va loin, un choc allergique. Ça peut entraîner la mort. Hein. Je ne crois pas que ça ait déjà été le cas avec du pollen, mais je peux me tromper. Donc, en général, on va avoir le nez encombré, les bronches, on va tousser et les yeux qui pleurent. Donc, ça, c'est typique de la réaction allergique de base, hein, souvent une vraie allergie. Ce qui est marrant ici, c'est que c'est déjà typique. On va pas souvent être allergique à du lamier pourpre, par exemple. On va pas être allergique à des plantes qui sont entomophiles, mais des plantes qui sont anémophiles. Des plantes qui n'utilisent pas les insectes, mais qui utilisent le vent pour se disséminer, comme le saule, par exemple, qui vont vraiment produire une quantité incroyable de pollen. Parce que ici, le but, c'est pas d'être très spécifique et d'essayer d'attirer un pollinisateur pour amener le pollen vers une plante de la même espèce, c'est d'en envoyer le plus possible, le plus loin possible, en plus grande quantité, pour espérer que par hasard,
ça vienne sur un autre sol, par exemple, que ça puisse venir le féconder. Et donc, c'est tout simplement des corps étrangers comme de la poussière, en fait. Et donc, le fait d'aspirer ça et d'avoir des corps étrangers qui rentrent dans les poumons peuvent faire réagir. Alors, il y a toujours un effet de seuil qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allergiques depuis le début, il y a des gens qui, a priori, ne sont jamais allergiques aux pollens, ça dépend très fort d'une personne à une autre, il y a des gens qui sont plus allergiques à des pollens de certaines plantes et pas d'autres, et en fait, ça dépend de votre système immunitaire, en fait. Ça dépend de votre système immunitaire va reconnaître ou pas ce corps étranger comme néfaste. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que pendant un bon bout de temps, on essayait de faire que les enfants soient le plus stériles possible. Donc, jouer vraiment dans des conditions les plus propres possibles, qu'on ne soit jamais en contact avec un germe, avec une bactérie, pour être certain qu'ils ne tombent pas malades et qu'ils se restent en bonne santé. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que le fait de tout le temps préserver les gens de toute maladie possible, toute contamination de germes, ça fait qu'en fait, le système immunitaire n'est jamais stimulé. Et comme il n'est jamais stimulé, ben, en fait, il ne va pas vraiment produire, il ne va pas être habitué à avoir des corps étrangers qui rentrent à l'intérieur. Et donc, dès qu'il y a un petit corps étranger, même s'il n'est pas a priori néfaste, comme c'est le cas ici du pollen, ben, il va déclencher un choc, en fait. Donc, il va déclencher une réaction. Et puis, il y a aussi un effet seuil. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, parfois, ne sont pas allergiques pendant des années. Et puis, à venir à un certain seuil, à partir d'avoir eu une certaine quantité de pollen, ils remplissent un certain quota d'allergie et ils deviennent allergiques à partir d'un certain moment, ce qui est assez particulier. Il est possible de se faire désensibiliser, en fait, de ces allergies-là. Donc, on doit venir vous injecter des petits allergènes en très faible dose. Et c'est de l'habituation, quoi. Alors là, je vous dis des trucs un peu généraux sur les allergies. Donc, je dis probablement peut-être des petites bêtises qui ne sont peut-être pas liées au pollen et tout ça. Mais en général, c'est comme ça fonctionne au niveau des allergies, quoi. Super, mais c'est amusant parce que finalement, tu as montré qu'il y a plein de formes de pollen et certains sont allergiques à un type. Donc c'est vraiment des réactions, c'est curieux, hein. Donc Alors, je ne sais pas si c'est que au niveau physique ou s'il y a quand même de la chimie, à mon avis, là-dedans. Il doit quand même y avoir des récepteurs cellulaires qui sont activés, à mon avis, par ces grains de pollen, quoi. ok. Allez, on continue. Ah voilà. Bon, donc suite de tout à l'heure, là je pense. La majorité s'est plantée. Donc c'est vrai que ça ressemble à une espèce de bactérie. Ben non, on est vraiment sur Mars, et encore avec des dunes de sable noir, il y en a quelques-unes. Elles sont vraiment magnifiques, celles-ci. On voit même des stries là dans l'autre sens, c'est assez impressionnant. Et alors, je pense que je vous ai mis. Voilà, je vous ai mis l'endroit d'où elles viennent. Je vous expliquais tout à l'heure que souvent les dunes, on les trouve sur le fond de certains cratères. Donc si vous prenez la Lune, il n'y a pas de cratère, mais il n'y a pas d'atmosphère. Donc il n'y a pas de vent. Donc des dunes sur la Lune, ça ne peut pas se former. Si vous mettez un tas de sable quelque part, ben, il y reste. Sur Mars, évidemment, l'atmosphère est très raréfiée, c'est 1% de l'atmosphère terrestre en termes de densité, mais il y a des vents, il y a des tempêtes, etc., il y a cette fine poussière, et donc à un moment donné, ça peut s'accumuler au fond des cratères et donner. Et donc ici, on voit le champ de dunes, on devine les formes, et c'est de ce champ de dunes-là qu'on a zoomé sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a des sondes qui ont un pouvoir de résolution hors du commun, notamment une sonde qui s'appelle le Mars Reconnaissance Orbiter, qui a été envoyée il y a pas mal de temps, mais qui est capable de détecter depuis l'orbite martienne un objet de mémoire hein, de 50 cm de diamètre. Donc t'imagines la résolution que ça a. C'est quasi un petit télescope en orbite qui regarde le sol en fait. Je pense que j'en ai mis une autre ici. Voilà. Alors ça, c'est une photo que j'ai découverte en fait aujourd'hui. Je la connaissais pas vraiment. C'est des dunes, mais prises depuis le sol martien. Donc c'est Curiosity, qui est le grand frère de Persévérance. On est dans un cratère, le cratère Gale. On est allé là parce que c'est un cratère qu'on suspectait d'avoir accueilli un lac d'eau liquide. Il y a étrangement, donc c'est un cratère assez grand, avec une montagne qui atteint 5000 mètres d'altitude au milieu, et des strates comme ça. Et en fait, à distance, on s'était rendu compte que ces strates comportaient de différents types d'argile. Mais les géologues disent que s'il y a de l'argile quelque part, c'est qu'il y a eu de l'eau pour que l'argile se forme. Bon, c'était un pari. Donc le robot s'est posé là. Il est là depuis 2012, donc presque 10 ans qu'il se promène. Et donc maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il monte en fait sur cette montagne de plus en plus haut, parce que chaque strate correspond à une époque géologique de Mars. Et donc dans le fond, là, à un moment donné. Ben, il était devant ces dunes. Donc là, c'est la première fois qu'on voit des dunes vraiment de près, quoi. Tu Et me l'aurais donc, pas dit, j'aurais juré que c'était des images de non, 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 reconstitution. non. Et là, à l'arrière, on voit le reste du cratère. Et en fait, Okay. ça vient d'où cette montagne au centre? Ben, c'est un cratère d'impact. Donc au départ, il y a une météorite qui est tombée, boum, ça fait un grand trou.
Mais c'était l'époque où Mars accueillait l'eau liquide. Donc il y a eu des rivières qu'on voit, on voit encore les traces hein, de ces arrivées d'eau. Donc il y a des rivières qui ont rempli ce cratère d'eau. Donc ça a été un lac. Et puis il y a eu des dépôts de sédiments aériens ou par ces rivières qui charriaient des sédiments. Et donc progressivement, le fond du lac se remplit de sédiments. Et puis à un moment donné, ça s'assèche un peu. Et puis l'eau revient, de nouveaux sédiments, ainsi de suite. Et puis à un moment donné, il y a un bouchon qui se forme de sédiments complets. Donc le cratère est complètement couvert. Donc un bouchon. Puis le climat martien a changé, l'eau liquide n'était plus possible, les vents ont continué à souffler et l'érosion a commencé à travailler en fait ce bouchon. Et donc il a commencé à enlever les particules de bord et ce bouchon qui était comme ça, il a commencé à être sculpté et à devenir en fait la partie qui reste aujourd'hui, c'est la montagne centrale. Donc c'est vraiment le cœur du bouchon et donc c'est logique qu'on voit toutes ces strates. Ça traduit les dépôts successifs et donc en remontant cette montagne, ben, on a l'histoire de ce cratère-là. Voilà. Donc ça c'est Curiosity, c'est un petit bijou. Et donc Persévérance, c'est la même base, c'est juste que les instruments sont totalement différents et puis il va beaucoup plus loin dans la technologie. Donc cette photo est assez prodigieuse. Magnifique. Voilà. À Magnifique. toi. On repart dans l'infiniment petit. Vous êtes 96% à avoir trouvé. Donc là, c'est vraiment trop simple pour vous. C'est aussi une image qu'on voit parfois ça dans les pubs, qu'on vous fait des pubs pour les yaourts avec des lactobacillus actifs, etc. Et en fait, c'est des bactéries dans ce cas-ci. Des bactéries qui sont justement des bacillus. Donc on va appeler ça des bacilles. Parce que vous voyez qu'elles ont une petite forme comme ça. Petite forme de bâtonnet. Et en fait, ces bactéries-là, ce sont des bactéries qu'on appelle Escherichia coli, qui sont en fait des modèles, en fait. Hein. C'est vraiment des modèles. Donc, en biologie, ce qu'on essaie d'avoir, c'est comme en réalité, chaque organisme est différent et qu'on a une grande diversité d'organismes, comme je vous le disais tout à l'heure, on essaie de trouver des modèles par grand groupe d'organismes. C'est un modèle qui soit plus ou moins représentatif du reste et qu'on va étudier à fond. En se disant, bon, on espère que les autres fonctionnent pareil. Comme ça, on essaie de comprendre un maximum de caractéristiques du groupement étudié. Alors, en réalité, chez les bactéries, il y a une diversité qui est complètement folle. Et en fait, on est complètement incapable d'estimer le nombre d'espèces de bactéries qui existent, quoi. Donc, certains disent qu'il y en a même plusieurs millions. Et en fait, il y a plein de formes cryptiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les détecter en fonction de leur morphologie, mais c'est juste au niveau génétique. Mais ok, génétique, qu'est-ce qui différencie une espèce d'une autre? Est-ce que c'est 10% de différence génétique? C'est 5%? C'est 1%? Donc en fonction de ça, ben, vous allez faire des différences au niveau espèce microbienne. Et ici, ce qui est marrant, c'est qu'on peut observer ces bactéries que vous avez dans vos intestins, quoi, en fait, hein. Parce que les bactéries Escherichia coli, ça fait partie justement de notre bol alimentaire. Et donc, ce sont des microbes qui sont en symbiose avec nous et qui nous permettent de digérer tout simplement ce qu'on mange. C'est-à-dire que, en réalité, ce qu'on mange, nous, si on n'avait pas les bactéries, on ne pourrait pas récupérer autant de ressources qu'avec ces bactéries symbiotiques-là. C'est-à-dire qu'elles ont un bagage cellulaire, comme des enzymes, par exemple, qui vont être capables de digérer des choses que nous, on ne peut pas digérer. Tout comme certains insectes sont xylophages, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger du bois, mais en fait, ils ne peuvent pas vraiment le digérer. Par contre, les bactéries avec lesquelles ils sont en symbiose peuvent digérer le bois, et donc vont leur retransférer les nutriments par la suite. On a vraiment une véritable symbiose qui est ici. Vous voyez qu'elles sont relativement simples, en forme de bâtonnets, d'où le nom bacille. Mais il peut y avoir des sortes de petits flagelles de prolongement, en tout cas, de ces bactéries, et en fait, qui peuvent être sous différentes formes. Et donc, on vous en dit Escherichia coli, ben, c'est une bactérie qu'on peut retrouver dans notre tube digestif, mais c'est aussi une bactérie qui peut être toxique, en fait, qui peut être dangereuse. Et en fait, on a souvent ça avec plusieurs types. Si vous avez des bactéries Escherichia coli sur une plaie, par exemple, ça va s'affecter, quoi. Et donc, on a parfois des bactéries qui peuvent se composer de différents comportements et qui peuvent passer d'une forme à une autre en fonction des ressources qu'elles ont à disposition. Et donc, de se faire une sorte de communication chimique, on dit, OK, maintenant, il n'y a plus assez à manger, on change et on devient plus prédatrice et on va attaquer les tissus environnants, par exemple. C'est un truc qu'on observe parfois chez certains microbes, en tout cas. Et donc, tu l'as peut-être dit, Guillaume, mais j'ai peut-être été distrait. L'origine du mot Escherichia coli, c'est quoi? Mais je ne sais pas, je t'avoue, je ne sais pas du tout. Mais Ok, regardera. oh, je ne sais pas, Ok, tiens. t'inquiète. Je regardais, du coup. Voilà. Alors, celle-ci, elle est extraordinaire. Quand la NASA l'a présentée, elle avait mis une petite question. On dit, est-ce qu'il y a des arbres qui poussent sur Mars?
Parce qu'on a l'impression qu'il y a des arbres ici, hein, espèce de, en fait, dans un paysage de dunes terrestres avec une des petites barrières hein, qu'on a mis, etc. Et en fait, non, ce sont des dunes couvertes de glace de CO2. Donc sur Mars, il y a pas mal de CO2, les températures sont très basses, donc le CO2 atmosphérique, il peut se solidifier et il peut se condenser et donner naissance à la neige carbonique, à la fameuse glace sèche qu'on voit chez les poissonniers, etc. Donc on peut avoir de la glace d'eau et de la glace carbonique. Et donc comme il y a des saisons, il y a des cycles, il y a tout ça. Et donc là, c'est des dunes qui sont couvertes de glace carbonique. Et puis il y a des endroits où en fait, il commence à faire un peu plus chaud et localement, la glace disparaît et le sable coule. Et donc ce qu'on voit ici, c'est vraiment le sable martien qui coule. Et donc il n'y a pas d'ombre en fait, si on regarde ceci. Donc ce n'est pas du tout un truc vertical qui sort de la dune. C'est vraiment sur les pentes du sable qui glisse et qui se détache en fait de la neige. C'est vraiment une image troublante au niveau des perspectives en fait. Donc Wow. voilà. Et alors c'est une image qui a été prise pas loin de la calotte polaire nord que je vous montre ici. Les calottes polaires martiennes, elles sont très connues, on les observe même avec un petit télescope, on les voit. Et donc il y a un cycle de saison, et donc quand celle du nord se développe, celle du sud rétrécit, et ainsi de suite. Et or, il y a toutes ces formes bizarres aussi en spirale qu'on devine là. Et donc sur ce mélange de glace. Et donc la photo qu'on a prise avant, c'était une région quand même qui était à haute latitude. Donc voilà. Donc c'est au moins de la glace à moins 80 degrés alors. Oui, c'est ça, situé dans la nuit polaire par exemple. La température peut descendre probablement à moins 120. Et donc, fatalement, ton CO2, pouf, il tombe sous forme de glace. J'ai Voilà. trouvé Alors là, oui. le nom pour Ah oui, Échiri ça Chiapi. vient d'où? En fait, ça vient du gars qui a découvert la bactérie. Il s'appelle Théodore Échiri. Et donc, ça Excellent. vient de là, Escherichia. Et pour colis, en fait, c'est pour le nom colibacille. Donc, c'est moi, je vous ai juste dit bacille, mais c'est le nom entier, on dit colibacille, qui sont liés à la flore intestinale. Et donc, c'est comme ça que c'est devenu Escherichia coli ou E. coli, on dit souvent aussi. Merci de m'avoir posé la question, j'ai Ouais, pas de appris. souci. Curieux C'est cool. maladif, donc voilà. Mais elle est magnifique celle-ci aussi, hein. Waouh. Ouais, c'est vraiment assez incroyable. Alors, Incroyable. dans ça, en effet, c'est toujours de l'infiniment petit. Moi, je suis frustré parce que chaque fois, ça a l'air trop facile pour les gens, donc je râle un petit peu. Mais ici, on a un grain de pollen qui est juste là, qui est un peu en forme de couronne. Ça, c'est typique des pollens d'Astéracées. Donc, Astéracées, c'est par exemple le pissenlit, les marguerites, c'est énormément. Étoile, Astéra, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est ça, ça vient de là, ça Ouais. vient d'étoiles, c'est la forme des fleurs, en fait, hein, qui vont en forme d'étoiles qui. Avec une symétrie assez plane, avec plein de petits pétales qui viennent entourer un centre, quoi. Donc c'est vraiment type marguerite. Et vous avez une structure qui est assez bizarre ici, là, qui sont des textures qui sont au niveau des pétales de ces mêmes fleurs. Donc ça vient d'un pétale, un Waouh. pétale intéressé, quoi, justement. Alors vous vous demandez, ok, mais un pétale, moi je pensais que c'était plat. Oui. Qu'est-ce que le truc qui ressort, ces petites boules avec ces petites rainures, quoi. Et en fait, il y a un rôle d'avoir des petits prolongements comme ça. Ces prolongements de tégument végétal auraient un rôle, en tout cas, dans le maintien de la rosée, le maintien de la rosée de l'eau, des gouttelettes d'eau. C'est-à-dire que le matin, vous avez plus de rosée qui reste sur les feuilles et qui leur permet leur hydratation, une hydratation qui peut se faire au niveau des feuilles. Et il y a autre chose qui est assez marrant au niveau des pétales, par exemple, des pétales. Vous allez retrouver ceci. Donc, vous voyez ici une belle astéracée qu'on voit là avec ses pétales et des pétales qui sont tout plats. La fleur est pardon, uniformément jaune. Par contre, quand on la regarde aux UV, on voit qu'il y a un truc bizarre, c'est qu'en fait, aux UV, elle n'apparaît pas uniformément jaune. Il y a une partie ici qui apparaît noire et une partie ici qui apparaît blanche. Donc, si vous regardez avec une caméra UV, c'est-à-dire que cette zone-ci absorbe les UV, du coup on ne les voit pas, et cette zone blanche ici reflète les UV qui arrivent du coup jusqu'à la caméra et par la suite par nos yeux, quoi. Alors vous dites ok, mais à quoi ça sert qu'elle reflète les UV? Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les arthropodes, la majorité des arthropodes qui ont des yeux composés, des hommatidies, voient dans les UV, ils voient dans les ultraviolets, et en fait ils vont être souvent attirés par les ultraviolets. Alors ils ne vont pas être attirés par
tous les types d'ultraviolets en réalité. Ils vont attirer souvent qu'il y a des patterns bien spécifiques. Donc on sait déjà maintenant depuis un petit temps que beaucoup d'insectes, par exemple, vont utiliser des patterns d'absence et de présence d'UV pour sélectionner ou éviter un substrat. Donc, par exemple, c'est comme ça qu'on sait que sur les zèbres, par exemple, au début, on expliquait les rayures des zèbres. On expliquait ça toujours en disant, bah, tiens, c'est facile, les zèbres, ils vivent agrégés, ils sont en groupe, ils sont en troupeau. Donc, si on mettait plein de zèbres les uns à côté des autres, en groupe, bah, le prédateur va plus savoir dire, en fait, va avoir du mal à isoler un individu. Et en général, un prédateur, quand il arrive près d'un groupe, il essaie d'isoler un individu, un malade ou un vieux, ou en tout cas, s'attaquer à une seule proie. Et on disait, bah, tiens, il y a plein de rayures en même temps, bah, le prédateur est un petit peu perdu. Et puis, il s'est avéré que non, c'est que, a priori, les rayures du zèbre ont un rôle dans le fait d'éviter les anopheles, qui sont les moustiques qui sont le vecteur de la malaria. Et donc, c'est une protection plutôt antiparasitaire plutôt qu'une protection d'antiprédation. Et pour en revenir à mon petit exemple ici, ben en fait, c'est encore une fois pour attirer les insectes pollinisateurs. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Et ce qui est assez marrant, c'est que si vous regardez la différence de structure à ce niveau-ci, on se rend compte, en fait, c'est pas un pigment. D'ailleurs, on le voit ici que le pigment est le même. C'est du pigment jaune partout. Donc, la molécule chimique qui donne le pigment qui est à l'intérieur est la même. Par contre, on a une différence au niveau de la structure, la microstructure physique. Donc, vous voyez, on a du 20 microns. Donc, on vient zoomer sur un pétale, on observe toutes ces petites boules qui apparaissent. Ici, on a une zone qui vient absorber les UV. Donc, cette zone-là en A est présente dans la partie noire. Et cette zone-ci en pas de lettre, est présente ici dans la partie blanche. Et cette partie-là va refléter les UV pour du coup attirer les insectes. Et c'est aussi comme ça, je vous parlais de l'araignée tout à l'heure, les toiles d'araignée sont connues pour ça. Donc pas les toiles d'araignée qui sont dans les coins des pièces, hein. Les toiles d'araignée qui sont en plein milieu d'un jardin. Vous dites, ok, mais là, la toile d'araignée, on la voit. Pourquoi l'araignée fait son piège là d'office, l'insecte va la voir. Mais c'est le but justement, c'est que l'insecte puisse la voir, que l'insecte puisse voler. Ils voient un truc qui brille, qui a une petite architecture spéciale, qui a un pattern morphologique spécifique. Il va être attiré par ça et il va se coller dans la toile d'araignée comme ça. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il y a des petites rayures comme ça qu'on va observer au niveau des soies, mais c'est vraiment la manière dont la toile est réalisée qui vient refléter les UV parfois avec l'eau qui vient se condenser sur la toile notamment. Donc, Mais c'est assez. l'image là de la fleur avec la partie noire, c'est fabuleux parce que finalement, c'est comme si tu dis, allez, ça sert à rien de mettre toute la fleur en noir, enfin en UV, il faut juste mettre la partie centrale parce que c'est là qu'il faut aller, quoi. C'est vraiment le fléchage. C'est Exactement. fabuleux. T'as l'impression qu'il y a aussi une économie dans la nature, juste la partie, c'est comme le requin, on aurait pu imaginer, bah, tant qu'avoir une modification génétique qui met des photophores sur la peau, on aurait pu les mettre partout. Mais non, juste la partie du bas. C'est marrant ça. C'est le but, en fait, il va toujours avoir une variation quand il y a un nouveau caractère qui apparaît. Il y a parfois ce qu'on appelle des radiations évolutives, c'est-à-dire que tu as vraiment plein de caractères qui apparaissent parce qu'il y a une nouvelle niche écologique qui est disponible. Donc, par exemple, tu vas retrouver avec un animal qui vit dans l'eau, tout d'un coup, qui vient monter sur la terre ferme. Et là, ça refait un peu le truc classique du premier animal qui monte sur la terre ferme et qui, du coup, a le monde pour lui. En réalité, faut plus imaginer des adaptations, des essais-erreurs. Il y a plein d'essais qui ne fonctionnent pas. Il y a plein de caractères qui apparaissent au hasard et qui, parfois, s'avèrent être avantageux. Une fois que le caractère est mis en place, ensuite, il va être sélectionné, en fait. Et donc, probablement, peut-être que cette fleur, il y a plusieurs générations, il y a plusieurs milliers, voire millions d'années, n'avait peut-être pas exactement le même pattern de couleur et d'attraction aux UV. Mais qu'en fait, par sélection et surtout par coévolution avec la vision du pollinisateur, ben, ça s'est un peu raffiné. Donc, il y a deux choses ici. Il y a en même temps la plante qui va faire de l'économie au niveau coût biologique, mais aussi la coévolution par rapport à l'insecte pollinisateur. Exactement. Terrible. Ok, on passe à la suite. Hop, j'allais trop vite. On a cliqué en même temps. Ça, c'est une Donc, vache, hein, celle-là. ouais, c'est ça, parce que Ça, c'est une celle-là vraie est un peu vache. particulière. Et pour une fois, donc, c'est un truc qui est infiniment petit. Vous vous êtes trompé, vous dites qu'elle est infiniment grand. Je suis un peu sadique, mais donc ça me fait plaisir pour une fois. Mais donc, ce qu'on a ici, c'est vrai que ça ressemble, ça pourrait clairement ressembler à des amas de galaxies. Galaxie. Ouais, c'est ça. Ressemble à des indices quand on regarde des photos. Et ça, c'est une expérience qu'a fait un membre de l'équipe. Hein. C'est une expérience que Quentin a fait. Coucou à toi, Quentin. Et en fait, il s'est amusé à faire une croissance de culture bactérienne. Donc, ça implique de prendre un milieu de culture donc, qui est fait d'agar-agar, hein, qui est une sorte de polysaccharide qui vient polymériser, qui est originaire
d'algues, et dans lesquelles on va rajouter des milieux nutritifs pour bactéries. Donc vos bactéries vont pousser sur ce milieu. Et lui, en fait, il s'est amusé à prendre sa boîte et à la faire un petit peu tourner, en fait, pour essayer de faire émerger des zones un peu rondes et des zones qui viennent tourner comme ça. En fait, c'était le but aussi, quand on avait préparé la précédente conférence, c'est qu'on essayait de faire, en effet, des schémas qui aient le même pattern dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Et donc, il s'est amusé à faire ça et à prendre du coup une photo en fond noir. Et je trouve que ça donne relativement bien, parce que ça ressemble vraiment bien à une structuration de diverses galaxies. C'est assez fun. Alors, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Ça, c'est une boîte de Petri qu'on l'a fait au labo de manière générale. Donc, vous voyez ici, en réalité, il n'y a pas que des bactéries qui poussent sur des boîtes de Petri. Hein. Il y a des bactéries, il y a des champignons, diverses levures, il y a plein de microbes différents qui peuvent pousser sur des boîtes de Petri. Et en fait, vous pouvez faire autant le milieu de culture qu'il y a de bactéries, enfin, qu'il y a de microbes de manière générale. Et en fait, tous les microbes ne poussent pas en colonie, mais en fait, chacun va avoir un phénotype particulier. C'est-à-dire que quand vous mettez votre bactérie ou votre champignon sur votre boîte de pétri, elle va avoir une forme particulière. Par exemple, si vous avez une forme foncée entourée d'une couronne blanche, et si vous avez une forme toujours foncée avec une couronne blanche, mais il y a des petites lignes là, comme ça, un peu plus une forme géométrique qui apparaît, il y a des vieilles taches jaunes, il y a des trucs un peu plus diffus, beaucoup moins nets au niveau du cercle. Tout ça définit des phénotypes. Et en fait, parfois, on peut identifier quel groupe de bactéries c'est en fonction du type de colonie qu'elles font. Alors là, il n'y a pas beaucoup de variations de couleurs, mais parfois, elles peuvent faire des énormes variations de couleurs. Et donc, est née à partir d'un certain moment cette idée de faire des boîtes artistiques. Ils sont des boîtes de microbes, en fait. Donc, on vient ensemencer certains microbes dont on sait qu'ils vont croître dans tel milieu de culture avec telle couleur. Donc, c'est en même temps certaines boîtes qui sont séparées en deux. On met un type de milieu de culture d'un côté, un type de milieu de culture de l'autre, et puis on vient mettre des bactéries dont on sait qu'elles vont donner les phénotypes qu'on cherche pour pouvoir dessiner. Et donc, on fait du dessin, ça revient un peu à faire de la modélisation microbienne, finalement, qui viennent vous montrer ici. Vous voyez, on peut vraiment bien s'amuser. Donc, chaque année, il y a un concours qui se fait, et c'est à celui qui fait le plus beau dessin Excellent. qui gagne. Non. Ça, je connaissais absolument pas. C'est vraiment prodigieux. Trop fort. Tout. Alors, là maintenant, on est vraiment dans les galaxies. Donc là, les joueurs ne se sont pas trompés. Donc là, on est dans la constellation de la Vierge. Donc on est vraiment dans les profondeurs cosmiques. On n'est plus du tout dans le système solaire. Chaque objet qu'on voit ici, donc l'espèce de fuseau là, ou l'espèce de boule de lumière qui est ici, c'est ce qu'on appelle une galaxie. Une galaxie, c'est quoi? Ben, si on imagine que l'univers, c'est un océan, dans l'océan, ben, on a beaucoup d'eau et puis il y a des terres comme ça un peu immergées, il y a des îles, des archipels, des continents. Ben, l'univers, en fait, s'est structuré un peu de la même façon. Au lieu d'avoir des grandes étendues d'eau, on a des grandes étendues de vide, même si on a du mal à imaginer ce que ça veut dire. Et puis là, on a des îles dans l'océan, des continents, on a des galaxies. Donc les galaxies, c'est vraiment, je dirais, c'est la structure base de l'univers où on trouve des choses. De la même manière que c'est sur les îles qu'on va trouver les bon, évidemment, oui, c'est pas. Si, habituellement, je dis toujours que c'est sur les îles qu'on trouve les habitants. Mais toi, en tant que biologiste marin, pour toi, il se passe autant de choses dans l'eau qu'ailleurs. On va changer d'exemple. Mais donc, au niveau de ces galaxies, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des structures qui sont très très grandes. Donc, typiquement, la lumière peut mettre 100 000 ans pour aller d'un bout à l'autre de la galaxie. Donc, le diamètre d'une galaxie, une bonne galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Et là, on va trouver dans une grande galaxie comme la nôtre, on va trouver entre 100 et 300 milliards de soleils. Donc, tu as 100 à 300 milliards d'étoiles. Tu as des gaz, tu as de la poussière. Et donc, c'est un système dynamique. On voit un instantané, mais c'est des structures qui évoluent, qui rentrent en collision. Il y a des spirales qui rentrent en collision, qui donnent naissance à des ellipses. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment des structures très, très importantes. Et puis, il y a des endroits, de la même manière que sur Terre, on a des archipels, des Açores, des éoliennes, des Cyclades. On a des archipels cosmiques et donc là on en a un. Donc c'est un groupe d'étoiles qu'on appelle la chaîne de Markarian. Markarian, c'est l'astronome qui avait étudié cette chaîne. Si je vous le montrer, voilà. Vous voyez, on a toute une série d'un alignement de galaxies ici. Il s'est rendu compte que ces galaxies, elles étaient proches dans le ciel, mais en réalité elles sont liées physiquement les unes aux autres. Elles ont le même mouvement en fait. Donc c'est vraiment une famille de galaxies. Et là on a quelque chose comme 70 millions d'années-lumière de la Terre. Donc la lumière met 70 millions d'années pour nous parvenir.
Et donc, cette chaîne, qui est encore une fois un objet très connu, ben, les astronomes amateurs se plaisent. Bon, quand il faut un ciel extrêmement noir, il faut un très bon télescope, d'aller chercher la chaîne dans Marc Arian. Alors, dans cette région de la constellation de la Vierge, de la chevelure de Bérénice ou du Lion, il y a des milliers et des milliers de galaxies. Donc, évidemment, en ville, on n'a aucune chance de voir tout ça. Mais dans un vrai bon ciel noir, vous tapez votre télescope pratiquement n'importe où et vous allez voir des champs avec 4-5 galaxies. Et bon, évidemment, on est aux limites de ce que l'œil peut faire, hein. Mais voilà. Donc, la photo précédente, c'était un zoom sur la partie centrale de cette chaîne de galaxies. Ben voilà. Et donc, Incroyable. on voit ces objets-là comme ils étaient il y a 70 millions d'années, puisque la lumière a mis 70 millions d'années pour nous parvenir. Donc là, on a vraiment un vestige du passé. Alors, si on regarde bien la photo, on a la chaîne qui est ici. Alors, toutes ces galaxies portent un nom. Et puis, si vous regardez bien la photo, il y a plein d'autres galaxies, mais qui sont probablement plus éloignées. Donc ici, par exemple, là, ici, c'est toutes des galaxies, tous ces petits machins-là. Hein. Là aussi, vous voyez, mais il y en a un nombre incalculable. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont assez élégants, en fait, à photographier et à observer. Alors ici, on reste aussi dans l'infiniment petit. Donc là, on est vraiment là, on reste dans notre galaxie à nous. C'est un des objets les plus célèbres du ciel. Grand, infiniment grand, t'as dit infiniment L'infiniment petit. grand, oui, c'est l'infiniment grand. Je veux dire, mais on reste proche de chez nous. Donc la photo d'avant, on était très très loin, dans des galaxies lointaines. Ici, on est vraiment dans la galaxie de la Voie lactée. Alors l'objet là, il est super connu. Je vous le montre en couleur. Alors, ce sont des images qui ont été prises par le télescope VLT, télescope européen. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est aussi une des stars. Donc en 1054, les Chinois subitement voient dans le ciel une nouvelle étoile, ce qu'ils appellent une étoile invitée. En réalité, c'est pas que c'est une nouvelle étoile, mais c'est une étoile massive qui a explosé de façon très violente, qui donne naissance à une supernova. La supernova, par an, on en voit une vingtaine, mais dans des galaxies lointaines. Une supernova comme ça dans notre galaxie visible à l'œil nu, il y en a une tous les 500 ans en moyenne. Et cette supernova, en fait, en une fraction de seconde, eh bien, elle devient aussi lumineuse qu'une galaxie entière. Donc c'est une étoile bien plus grosse, bien plus massive que le Soleil, qui subitement devient aussi lumineuse que 100 milliards d'étoiles. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez fantastique. Alors, c'est resté visible même en plein jour pendant un certain temps, et puis sa luminosité commence à décroître, puis on l'a vu la nuit uniquement, et puis à un moment donné, elle est complètement tombée dans l'oubli. Et quand aujourd'hui, on retourne sur le lieu du ciel où s'est passée cette explosion, on voit ça. Et cette nébuleuse, donc c'est vraiment le cadavre de l'étoile qui a été... c'est l'atmosphère de l'étoile qui a été déchiquetée. Eh bien, si on prend une photo de cette nébuleuse du crabe année après année, les amateurs le font, on voit qu'elle grandit année après année, elle continue à grandir dans l'espace. Mais le plus intéressant, ce n'est pas cette nébuleuse qui grandit, c'est qu'on a découvert qu'au cœur de cet objet, quelque part ici, en fait, il y a toujours le cadavre stellaire de l'étoile qui est là. Donc en fait, quand une étoile arrive en fin de vie, soit c'est une petite étoile comme le Soleil c'est un nain, donc ça va donner ce qu'on appelle le... C'est un objet. Donc, si vous voulez, le Soleil, quand il va arriver en fin de vie, il va grossir. Et puis, à un moment donné, il va être tellement gros, il va atteindre la Terre, probablement Mars. Donc, ses couches atmosphériques vont commencer à se diluer dans l'espace. Et ça va donner une petite nébuleuse, qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Aucun lien avec la planète, si ce n'est que c'est un petit machin qui a une forme qui ressemble à une planète pour certaines d'entre eux. Mais au cœur de ça, le cœur du Soleil, lui, en fait, il a continué à s'effondrer, devenir un objet beaucoup plus compact. Donc le Soleil, il a la dimension qu'on lui connaît, mais quand il va mourir, eh bien son cadavre aura la taille de la Terre. Donc c'est comme si vous prenez le gros de la masse du Soleil et vous le ratatinez dans un objet de type planète comme la Terre. Et cet objet-là, qui est un objet très chaud, c'est ce qu'on appelle une naine blanche. Voilà. Ça, des naines blanches, on en connaît des milliers. Mais si l'étoile en fait est plus massive que le Soleil, si elle est comprise entre 1,5 et 3 masses solaires, eh bien quand l'étoile arrive en fin de vie, elle passe par le stade explosif de la supernova, et puis le cœur de l'étoile lui-même continue à s'effondrer, s'effondrer, il n'y a plus rien qui contrebalance en fait le poids du cœur de l'étoile, et puis à un moment donné l'objet devient de plus en plus petit, de plus en plus compact, il dépasse le stade de l'étoile blanche, de la naine blanche, il va beaucoup plus loin, et à un moment donné ça va se stabiliser dans un objet ultra compact, qui n'aura que peut-être une dizaine de kilomètres de diamètre. Donc imaginez trois fois la masse du Soleil compactée dans juste 10 kilomètres. La densité de ça, c'est absolument démentiel. Alors de mémoire, hein, j'ai plus les chiffres, mais si on prend l'équivalent d'une balle de ping-pong d'une étoile à neutrons, c'est comme ça qu'on dit, eh bien c'est 1 milliard de tonnes.
C'est un truc de fou. Donc là, c'est la naine blanche. Pardon, c'est l'étoile à neutrons. Donc, un objet composé que de neutrons. C'est comme si vous avez la densité d'un noyau d'atomes, mais à l'échelle d'un astre. Et dans certains cas, les étoiles à neutrons, en fait, peuvent émettre un rayonnement, comme un faisceau lumineux, un faisceau de rayonnement électromagnétique. Ça tourne. Et si le faisceau, en fait, croise la Terre, eh bien régulièrement, on a une bouffée de rayonnement qui vient sur Terre. Et ça, c'est ce qu'on appelle un pulsar. Donc, c'est une étoile à neutrons qui balaye l'univers avec son phare cosmique. Et clairement, là, au milieu de cette nébuleuse du crabe, il y en a un, qu'on appelle le pulsar du crabe. Et donc, on peut le détecter dans toute une série de rayonnements. Alors, il y a d'autres images en rayon X. On voit vraiment la structure du disque d'accrétion autour du pulsar. Ça, c'est assez fascinant. Et on a des pulsars qu'on appelle des pulsars millisecondes, qui font jusqu'à 2000 tours par seconde. Donc, vous avez un objet qui a la taille, il y a une dizaine de kilomètres de diamètre, qui est dense comme c'est pas possible, et qui fait 2000 tours par seconde. Mais avec une régularité encore plus grande finalement qu'une horloge atomique. C'est des objets vraiment assez incroyables. Et puis, si l'objet est encore plus massif, alors là, on n'a plus l'étoile à neutrons et le pulsar, là, on aura ce qu'on appelle le trou noir, et là, c'est une autre histoire. Voilà. Et là, je pense qu'on retourne dans l'infiniment petit. On retourne exactement dans l'infiniment petit et on retourne dans quelque chose qu'on a déjà vu auparavant, parce que c'est encore une fois un grain de pollen en réalité ici. Encore une fois un grain de pollen. Ça ressemble un peu, heureusement, parce que ça ressemble un peu à certains cadavres de coraux. Et donc je me demandais si c'était pas un moment une structure corallienne, parce qu'on a du corail qui ressemble parfois à ça, mais non, c'est bien un grain de pollen. Hop. Et du coup, je Oh, voulais pardon, c'est juste. moi qui fais des bêtises. Je reviens, voilà, Je crois j'enlève ça, alors j'enlève ceci. on a deux à cliquer. Voilà, j'ai dû cliquer. Il arrive, voilà. Et donc, juste, je ne vais pas en reparler très longtemps parce que ça ne sert à rien que je redise plusieurs fois la même chose, mais j'avais retrouvé une chouette image d'étamine qui est ici. Donc, on voit les anthères, ils sont ces structures qui viennent porter les grains de pollen, en fait, et qui vont venir s'ouvrir. Donc, ils sont ouvertes en dessous et qui viennent venir déposer, libérer du pollen petit à petit. Et donc, vous voyez, le but ici, ce n'était pas vraiment d'augmenter la diversité de tout ce qu'on veut observer, mais d'augmenter un maximum de morphologie, de formes différentes et de faire des parallèles entre le plus petit et le plus grand. Et du coup, je vais directement passer à la prochaine. Et là, c'est à toi. Oui, alors celle-là est magnifique. C'est une photo qu'en fait je connaissais pas. J'ai découvert, je pense, peu de temps avant le moment où on a fait le quiz. Bon, on connaît tous cette fameuse image de la Lune, de la Terre, pardon, vue depuis l'orbite lunaire. Alors souvent on dit c'est le lever de la Terre vue depuis la Lune. Mais si vous êtes sur la Lune, en fait, faut savoir que la Terre ne se lève pas, parce qu'il y a une synchronisation des mouvements de rotation. Et donc, si vous êtes à un endroit sur la Lune, la Terre est dans le ciel et elle est fixe. Alors, elle ne va pas bouger de place, mais au cours du temps, la Terre va présenter des phases différentes. Donc, on va des croissants, des peines, mais elle est toujours fixe au même endroit. C'est lié au fait, le fait qu'aujourd'hui, nous, depuis la Terre, on voit toujours la même face. Ce phénomène-là induit que depuis la Lune, on voit la Terre au même endroit. Enfin, bref. Et donc, voilà, c'est une photo où on la voit souvent en couleur. Je pense que c'est une photo qui avait été décrite comme la photo du siècle. Par un des grands magazines américains. Ça, je ne la connaissais pas. Elle a été prise lors de la mission Apollo 14. Voilà, je trouve plein de poésie. Elle est vraiment magnifique. Enfin, voilà. Donc, vous avez le monde mort qui est ici, et puis le monde plein, qui regorge de vie juste en face. Et surtout, d'un point de vue philosophique, c'est intéressant parce que ce monde qui regorge de vie a hébergé une forme de vie suffisamment évoluée pour que la forme de vie a quitté son berceau et est allée voir le monde mort. Ça, c'est quand même fort aussi, je trouve. Voilà, je sais pas si j'ai mis une photo. Voilà. Et là, je vous ai mis une photo justement de cette mission Apollo 14, où on a un des astronautes qui est en train de déployer une petite station de mesure ici. Alors, pour la petite histoire, donc, il n'y a que 12 humains qui ont marché sur la Lune, pas un de plus, entre juillet 69 et décembre 72. Et là, on a une nouvelle conquête lunaire qui se prépare, totalement différente. Alors les fusées géantes sont en train de grandir, de tester dans tous les sens. Et donc en 2024, retour sur la Lune avec l'émission Artemis. Donc dans les années 60-70, c'était l'émission Apollo, donc Apollon. Et Artemis, c'est la sœur d'Apollon. Et le fait qu'on a choisi un nom féminin, c'est pas pour rien. C'est que là, on aura la première femme qui va marcher sur la Lune. Ce sera pour 2024, c'est tout bientôt.
Et donc les Américains mettent la main à leur fusée géante qui sera plus grande que Saturne V. Donc c'est une fusée un peu old style, voilà, un espèce de pétard qui va faire 100, je sais plus de mémoire, 120 mètres de haut, voire un peu plus, qui part, qui a une capacité de lancement énorme vers la Lune, et puis c'est tout, c'est un one shot. Pendant que Elon Musk et SpaceX mettent la main, eux, à un vaisseau spatial totalement différent. Il y a un vaisseau spatial très haut, je ne sais plus de mémoire, c'est Spaceship, je ne sais plus s'il fait 40 mètres, il faudrait vérifier, qui décolle à la verticale, peut partir sur la Lune, sur Mars, revenir à la verticale, enfin voilà. Donc c'est vraiment le vaisseau du futur. Et puis SpaceX, pour les moments où elle aura besoin de lancer beaucoup de masse, eh bien, étant donné qu'on sera aussi une fusée géante, récupérable, elle, donc la fusée géante, ce sera Super Heavy. Elle va lancer Spaceship qui est déjà énorme. Et ce train-là va faire 150 mètres de haut. Avec des moteurs pour Spaceship d'un genre nouveau. Parce que ça va fonctionner avec de l'oxygène et du méthane. Pourquoi le méthane? Parce qu'à terme, ce vaisseau spatial, non seulement ira sur la Lune, mais aussi ira sur Mars. Et il faudra repartir de Mars. Et donc l'idée, c'est de fabriquer. Alors là, je faut fabriquer l'oxygène ou même du méthane, il faudrait vérifier, je ne sais plus trop. Oui, c'est ça. Et donc on va pouvoir faire le plein de méthane sur Mars, donc il faut que les moteurs fonctionnent au méthane. Donc ça n'avait jamais été fait. Et donc il y a quelques jours, pour la première fois, un des protos de Spaceship a décollé, il est monté à 12 km de haut, il s'est mis en au mode planeur, et puis pouf, il s'est remis à la verticale et il s'est posé sans exploser, ce qui est une première. Et la grande surprise, c'est l'annonce que la NASA a faite il y a un mois. L'idée, c'est que là, en 2023-2024, donc avant que les humains reviennent sur la Lune, la NASA, avec la coopération notamment de l'Europe, etc., va mettre en orbite lunaire une station spatiale. Donc les astronautes sont dans la station et puis devront descendre vers le sol lunaire. La station lunaire s'appelle Getaway, mais il fallait un vaisseau spatial pour quitter la station et à descendre sur le sol lunaire. Donc on s'attendait tous à trouver. La NASA a lancé un appel d'offres, il y a trois boîtes qui ont répondu à l'appel, et donc on pensait que les trois boîtes allaient proposer quelque chose du style LEM lunaire, donc les trois, une espèce d'araignée métallique, un petit machin qui pose et qui redécolle. En gros, deux des trois boîtes ont proposé ça, et SpaceX a proposé son vaisseau spatial Spaceship qui décolle, etc. Et la NASA, en fait, a choisi ce vaisseau. Alors, c'est un coup de génie, en fait, et c'est un pari vers le futur, parce qu'en faisant ça, en réalité, il donne quelques milliards à SpaceX, qui continue à développer son vaisseau, sachant que ce vaisseau est conçu dès le départ pour aller vers Mars. Donc la NASA, en fait, en faisant ça, ils ont le vaisseau de ravi qui va faire la navette entre la station lunaire et le sol lunaire, mais en même temps, on peaufine la mise au point et ça servira d'aller beaucoup plus loin. Malheureusement, heureusement, enfin, on s'en fout un peu, les autres boîtes ont porté plainte et donc actuellement, la NASA a mis un stop à la procédure, disant que la NASA avait promis de choisir deux des trois prestataires et pas un seul, etc. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que clairement, SpaceX écrase tout le monde actuellement. La boîte qui a rouspété, c'est la boîte d'Amazon, hein, c'est Blue Origin. Enfin voilà, donc tout ça est un peu en stand-by, mais ça va, voilà, le temps que les juges choisissent. Mais donc il se passe beaucoup de choses au niveau lunaire, en fait, pour l'instant. Ils ont aussi des problèmes de marché public aux États-Unis, C'est la même quoi. chose, exactement. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu as une idée de l'exploit il y a une idée d'exploitation du sol lunaire ou pas? Alors, bon, là. Le problème, c'est que quand tu écoutes en fait, c'est la propagande des uns des autres. Ici, clairement, les missions qui retournent sur la Lune, bon, il y a du gros lobbying spatial, la grosse industrie spatiale derrière, etc. On sait que les Européens, par exemple, ont travaillé carrément sur ce qu'on appelle le Moon Village, donc un projet de village au sol qui arrivera probablement plus tard dans la décennie. Voilà, donc ça, il y a l'idée d'une colonisation permanente. Alors, au niveau exploitation, en fait, ça bouge beaucoup. Tu as d'une part des gens qui vendent le retour à la Lune en disant sur la Lune, il y a du tritium, c'est un des isotopes de l'hydrogène, et ça va être un des éléments de base pour la fusion nucléaire.
Ouais, moi, j'ai eu la chance un jour de discuter, de passer du temps avec un des astronautes. C'était celui, en fait, qui a volé dans son fauteuil spatial. C'est Bruce McCandless. Il est mort il y a quelques années. C'était un cas de l'époque Apollo. Mais donc, il était le seul à avoir volé dans ce fauteuil. Et en fait, il m'expliquait que vendre le retour à la Lune pour le tritium, c'est vraiment n'importe quoi, parce que les quantités de tritium sont tellement diluées dans le sol lunaire qu'il faudrait mettre à sac la moitié de la surface de la Lune. Donc, c'est pas quelque chose de juste. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, bon, on sait que au niveau des pôles lunaires, il y a des cratères dans lesquels il y a toujours l'obscurité en permanence. Et là, on sait qu'a priori, il y aurait de la glace d'eau. Alors, sous quelle forme, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est mélangé à d'autres trucs? Bon, là, il y a des missions qui se préparent, notamment, je pense, une mission russe, pour aller vraiment se poser et voir ce qu'il en est. Parce que s'il y a de la glace d'eau, on peut imaginer que ça peut être utile vraiment aux astronautes un jour. Bon, après, il y a tous ces projets qui pour l'instant peuvent sembler la science-fiction, mais ça ne l'est pas. Tout ce qui est exploitation des astéroïdes surtout. Alors, la Lune, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait exploiter. Probablement qu'il y a une exploitation, l'humain a toujours cette capacité d'aller fouiller et profiter des ressources. Parce qu'a priori, la Lune, c'est plus ou moins la même composition que la Oui, Terre. il y a des différences, mais bon, il y a pas mal de choses en commun. Maintenant, je ne sais pas trop ce qui serait intéressant sur la Lune. Par contre, ce qui est certain, c'est que parmi les milliers et les centaines de milliers d'astéroïdes qu'il y a dans le système solaire, tu en as qui sont composés à 100% de métal, ou pratiquement. Donc, par exemple, il y a une sonde qui part bientôt, qui va étudier l'astéroïde Psyché, qui en fait est composé essentiellement de métal pur. Alors, pour l'instant, évidemment, ça coûte cher d'aller envoyer un robot capturer un astéroïde, le ramener. Mais il faut savoir que les lois, les gouvernements sont en train d'adapter la législation spatiale pour permettre l'exploitation. Parce que quand à un moment donné le coût des vols vers l'espace va diminuer, quand la technologie va avancer, un jour ou l'autre, le business va continuer. Et donc il y a des boîtes par exemple qui sont installées au Luxembourg. Donc le Luxembourg a créé des lois disant que toute société d'exploitation minière spatiale qui s'installe au Luxembourg, eh bien, si elle exploite un astéroïde, ça lui appartient. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'un petit pays comme ça fait? Mais en fait, ça permet d'attirer des investisseurs. Donc voilà, il y a des pions qui sont en train de se placer sur les échantillons, et clairement, tout ça va se mettre en place. Donc il y a plein de questions qui se posent, à qui appartiennent les astéroïdes? Est-ce qu'on a le droit de creuser sur la Lune? Alors il y avait des grandes règles basées en fait sur le partage des océans. C'est les mêmes règles qu'il y avait au niveau des océans, au niveau de l'espace. Le problème, c'est que la technologie maintenant a évolué tellement que la législation, je pense, a un peu de retard. Et chacun est en train d'adapter sa législation pour faire un peu ce qu'il veut. Donc oui, tout ça va être exploité. Alors, ce qu'il faudrait espérer, c'est qu'on fasse pas beaucoup de conneries. Pour moi, le rêve, ce serait que des mondes comme Mars, ce soit une réserve naturelle, hein, pour qu'on puisse étudier tout ça, un peu comme l'Antarctique, par exemple, qu'on puisse y faire que de la science. Alors il y a des bouquins de SF où ils vont plus loin, un bouquin comme Mars, la bleue, la rouge et la verte, où là, en fait, Mars, il y a des colonies terriennes qui s'y installent, mais les volcans, par exemple, les volcans géants, sont à partir d'une certaine altitude, réserves naturelles. Donc, tu vois, il y a des gens qui imaginent des trucs, voilà. Mais donc, ici, on assiste à ce qu'on appelle, au niveau spatial, le New Space. Donc, on était dans un paradigme qui était le continuum des années 60. L'année 60, c'était cette course effrénée à la Lune, c'est une concurrence purement politique. Il y avait aucun intérêt scientifique à aller sur un. On a été sur la Lune trop tôt. C'était vraiment, là, je paraphrase un peu, c'est celui qui avait la plus grosse, quoi. En gros, c'était ça. Les Américains sont arrivés. Une fois qu'ils ont mis le drapeau, les Russes ont tenté de continuer à y aller. On l'a su plus tard. Bon, ils ont arrêté tous leurs efforts en 71, comme ça, 72. Une fois que Apollo réussit, les Américains n'ont eu plus aucun intérêt pour les missions qui étaient prévues, qui devaient faire de la science. Et puis en fait, depuis les années 72, il n'y avait rien de majeur dans l'espace, quoi. Je veux dire, les gens allaient simplement à 400 ou 600 km de haut, alors qu'à l'époque Apollo, on allait à 400 000 km. Alors, on avait une navette qui était une aberration, complètement une aberration au niveau de son sens, un bel engin technologique, mais qui servait en fait. Le nom, c'était le mot nom de navette. Faire la navette entre deux endroits. L'autre endroit, c'était censé être une station qui n'a pas existé, qui est apparue récemment. C'est un machin qui devait permettre de faire des allers-retours, un départ par semaine ou deux départs par semaine pour pas cher. La navette était ultra dangereuse, c'était une vraie saleté. Chaque lancement de navette, ça coûtait un fric pas possible.
Et les Américains ont mis de côté toutes leurs fusées ultra fiables pour ça. Donc dès qu'on voulait envoyer un petit satellite, on envoyait cette personne avec. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Donc on pourra en parler longtemps. Puis évidemment, il y a les accidents qu'on connaît. Et finalement, l'ironie de l'histoire, c'est quoi? C'est que les Russes, au départ, étaient les plus forts au niveau spatial, avec leurs fusées Proton, Soyouz, enfin leurs capsules Soyouz. Les Américains ont développé la navette spatiale, etc. Et puis aujourd'hui, finalement, jusqu'il y a quelques mois, avec quoi les astronautes américains allaient dans l'espace? Ben, les vieilles capsules Soyouz du début de la conquête spatiale, elles ont très peu évolué. Et les mêmes fusées. Il n'y a que depuis quelques mois que là, on utilise vraiment les fusées Falcon 9 de SpaceX avec les capsules Dragon. Mais jusque-là, c'était les machins des années 60, quoi. Et maintenant, la nouveauté, c'est ça, c'est l'émergence des sociétés privées. SpaceX, Blue Origin, mais c'est pas le fait du hasard, c'était une décision politique d'Obama qui était de dire on arrête les conneries, on a les meilleurs ingénieurs à la NASA et ils passent leur temps depuis 40 ans ou même 50 ans à envoyer des gens à 400 mètres. Aidons le privé à développer une technologie qui permet d'aller dans l'orbite basse et mettons les ingénieurs de la NASA sur des projets beaucoup plus ambitieux qui seraient à terme Mars, mais entre-temps les astéroïdes. Alors Obama n'était pas très porté par la Lune, finalement là on y revient, mais c'est un peu tout ça. Donc tout ce qu'on voit là, c'est le fruit de 10 à 15 années de travail de fond. Et là tout est en train d'exploser maintenant. Tout ce qu'on disait être impossible quand moi j'étais étudiant, donc la fusée de Tintin qui décolle à la verticale et qui se repose à la verticale, on disait c'est pas possible. SpaceX le fait chaque semaine. Et là c'est que le début, hein. Si vous voyez les simulations de ces fusées géantes, là c'est des trucs de fou qui se préparent. Hein. Donc voilà, et j'ai encore été très bavard, bon sang. Oui, pardon, ici. Voilà, allez, vas-y, on arrive au bout tout doucement. On n'est plus à la surface de la Lune. Si, c'est vrai que ça allait relativement vite de toute façon. On est bien dans l'infiniment petit. Et dans une chose qu'on a déjà vue auparavant, en fait. Hein. Donc vous reconnaissez, donc là on a un tégument ici. Vous allez reconnaître ces petites structures un peu similaires à ce qu'on avait vu au niveau des fameuses soies d'araignées là, qui sont là. Donc, ces structures circulaires qui sont un peu associées les unes par rapport aux autres, un peu comme un ressort qui vont permettre de venir porter des soies qui vont être sensorielles. Alors malheureusement, je crois que les soies ne supportent pas très bien la préparation du microscope électronique, puisque quand on passe un microscope électronique, on doit complètement sécher l'échantillon. Et souvent, les soies viennent se détacher en fait quand on sèche l'échantillon, parce qu'on passe dans ce qu'on appelle une bombe à point critique, on monte à des hautes pressions et on met du dioxyde de carbone liquide assez froid. Et donc en général, quelques petites structures fragiles comme les soies se détachent en fait malheureusement. Donc on ne les voit plus ici, mais normalement on devrait avoir des petits poils qui sont là. Alors heureusement, tous ne partent pas. Et donc ici, je vous ai mis une image qui n'a pas été récupérée par un autre microscope. Par un autre microscope électronique à balayage, ça a été coloré par la suite. Et donc vous avez ici un acarien. Et donc c'est théoriquement un Wow. acarien. Acarien, c'est un arachnide. Et donc vous allez retrouver ces petits ronds-là, une sorte de petits ressorts qui viennent porter ces tricoboteries. Et donc vous allez retrouver ici qu'ils vont avoir un rôle C'est complètement sensible. fantastique, hein, la petite image de gauche, elle est terrible. Alors justement, l'image de gauche, je vous l'ai mise exprès parce qu'en fait là, vous êtes sur un cuir chevelu. Justement, ça fait référence à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est là, ce sont des cheveux en fait, hein, ce qu'on voit là. Donc on retrouve la base du follicule pileux, on retrouve cette cuticule de kératine qui vient entourer le cheveu. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait, les poils vont servir d'écosystème, c'est-à-dire que vous êtes dans une surface où il y a beaucoup de différences de topographie. Donc, on a beaucoup de surfaces de contact en réalité. Et en général, quand il y a beaucoup de surfaces, c'est associé avec des biodiversités plus grandes. Peu importe ce que vous allez considérer, dès que vous prenez un truc plat et vous venez mettre des choses un peu plus complexes dessus, ben, ça donne lieu à plus de place pour se déplacer et plus de petites niches écologiques bien spécifiques. Et donc, souvent, des organismes vont venir envahir le milieu, des espèces pionnières vont arriver et puis on va se suivre avec d'autres espèces. Et donc, on a parfois des micro-écosystèmes qui se mettent en place. Alors, a priori, si on se lave les cheveux régulièrement, etc., on n'a pas vraiment de faune symbiotique au niveau des cheveux. Bon, a priori, les bactéries, vous en avez quand même toujours, parce que même si vous lavez, que vous retirez une bonne partie de vos bactéries cutanées, il en reste quand même toujours un petit peu. Donc, à moins que vous frottiez très fort avec du savon qui a un haut pouvoir détergent, vous allez retirer tout votre sébum. Mais a priori, c'est mauvais, parce que si vous faites ça, vous allez commencer à avoir des pellicules, vous allez avoir plein de petites plaques de peau qui vont se détacher. Parce que le sébum a aussi un effet protecteur de la peau, il garde un effet un peu un film gras sur la peau qui permet aux bactéries de pousser.
Donc les bactéries poussent en ce qu'on appelle un biofilm, et sur ce biofilm, en fait, il y a d'autres organismes qui vont pouvoir venir par la suite et pour se nourrir. Et on va retrouver notamment ces acariens qui sont présents au niveau du cuir chevelu, qui sont présents du coup dans les matelas, tout ce qui est poussière. Donc on dit, ouais, je suis allergique aux acariens, je suis allergique à la poussière, aux poussières d'acariens. En réalité, ce qui est assez marrant, c'est quand on dit poussière, ça veut tout rien dire. Donc on dit poussière, c'est vraiment une certaine granulométrie. Je ne vais pas vous dire à quelle granulométrie ça fait référence, c'est vraiment tout petit. Mais dans la majorité des poussières domestiques qu'on a à la maison, en fait, c'est nos propres cellules. Donc en fait, c'est nos propres cellules cutanées qui viennent s'évaporer. Donc quand vous vous grattez, si vous vous grattez au soleil, vous allez voir, en fait, il y a plein de petites particules qui partent de votre peau. Ce n'est pas des saletés, c'est votre peau morte, en fait. Hein. Donc, c'est la couche la plus superficielle de peau. Il y a énormément de couches de kératine au niveau de la peau. Vous allez gratter, mais toutes ces particules s'en vont et forment de la poussière par la suite. Alors, c'est vrai que si vous avez des acariens, il y a plein d'espèces d'acariens qui existent, notamment des espèces d'acariens qui vont croître sur des lits, sur des tapis, etc., et qui peuvent vraiment, du coup, ou causer des gros problèmes d'allergie parce que vous allez avoir une très grande quantité. Mais a priori, on ne considère pas que les acariens sur votre cuir chevelu sont vraiment des parasites. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir vraiment d'effet délétère sur vos cheveux. Alors, quand je dis acariens, c'est un grand groupe qui est très large. Et donc, on pourrait considérer que des tiques sont des acariens, par exemple. Donc, quelqu'un qui a des tiques, ben là, c'est parasite parce que ça peut aussi transmettre des maladies. Mais les acariens, on peut considérer comme des organismes symbiotiques commensaux. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont vivre avec nous, comme Mensum, vivre avec. En fait, c'est des organismes qui vivent dans nos cheveux, qui mangent nos déchets, et donc c'est pas vraiment embêtant, en fait. Donc, on leur offre le gîte et le couvert, et eux nous font pas vraiment de détriment, quoi. Donc, ça fonctionne comme ça. Voilà. Ici. Voilà. Alors ici, ouais, là les gens ne sont pas trompés. On a vu tout à l'heure le pôle nord de Saturne. Il faut se rendre compte que les pôles des planètes géantes, de chez nous, on est mal mis pour les voir. En fait, quand on observe Saturne ou Jupiter au télescope, on les voit de face. Donc, ce qu'il y a vraiment au-dessus ou en dessous, on ne voit pas. Donc, si on veut voir ça, il n'y a pas d'avance. Il faut envoyer en général une sonde qui va passer au-dessus des pôles. Et c'est ce qui a été fait ici. Donc, l'image un peu. C'est une image qui semble artificielle. Effectivement, c'est une image qui a été prise je pense, en infrarouge. Donc, les couleurs n'ont pas beaucoup de sens, mais voilà. Et c'est une sonde qui s'appelle Juno. C'est une sonde américaine qui, contrairement aux sondes précédentes, c'est une sonde qui est en orbite polaire. Donc vous avez Jupiter qui est comme ça, et la sonde elle tourne comme ceci. Alors en fait elle va très très proche de Jupiter, et puis elle s'en va très très loin, parce que la zone très proche de Jupiter est extrêmement dangereuse. Il y a plein de particules là qui sont canalisées par le champ magnétique de Jupiter. Donc au niveau de l'électronique, chaque fois qu'on passe trop près de Jupiter, on encaisse beaucoup de radiation. Donc elle s'en va et puis elle transmet ses données, elle revient. Mais donc elle est conçue pour passer au-dessus des pôles. Et donc là, on a vu apparaître des choses très étranges. Donc il y a une espèce de vortex central entouré de d'autres vortex. Alors il y en a suivant qu'on est au pôle nord ou au pôle sud. On en a vu, je pense, 5, 7, et puis ça fluctue. Je pense que j'ai mis une autre photo, je vais voir ici. Voilà, ça c'est une photo de Juno, pardon, prise par Juno de Jupiter. Donc, vous voyez, on a des angles de vue assez différents, hein. Donc là, on a un des pôles qui est ici, parce que la sonde permet vraiment d'aller chercher ça. Voilà, et donc ces zones polaires de ces géantes sont très très étranges, et encore une fois, on n'y comprend pas encore grand-chose. Donc voilà pour Jupiter. Alors, vous voyez, c'est une forme qui est un petit peu bizarre. On est dans l'infiniment petit. Alors, quand je dis infiniment, bien entendu, ça dépend de comment on définit infiniment. Ça, c'est pas si petit que ça. C'est macroscopique. Hein. Vous pouvez le voir à l'œil nu, en tout cas avec une bonne loupe. C'est une tête de poisson, en fait. C'est une tête de poisson vue de face. C'est pas n'importe quel poisson. C'est un poisson qu'on va appeler le poisson zèbre ou Danorhirio, qui est un poisson qui est bien connu Quoi, du t'es biologie. fou. C'est le modèle. C'est le modèle biologique de ce poisson. Donc, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, on prenait Escherichia coli comme modèle de bactéries. Bon, on va prendre le poisson zèbre comme modèle de poisson. Et donc, on va faire la majorité des études sur ce poisson-là en estimant que ça puisse être des raccourcis plus ou moins fiables vers d'autres espèces par la suite. Donc, par exemple, le génome complet de cette espèce de poisson est complètement connu et on travaille énormément sur l'aspect embryonnaire de ce poisson-là. Alors, ce qui est assez intéressant, du coup, c'est qu'on peut s'amuser à faire de la fécondation in vitro, donc à venir mettre un spermatozoïde et un ovocyte
de voir la fécondation se faire, et puis de suivre en fait la destinée de ce qu'on appelle les blastomères. Donc vous avez votre ovocyte qui est là, donc il y a un gros œuf de la femelle, le spermatozoïde rentre à l'intérieur, et une fois que les deux matériels génétiques fusionnent les uns avec les autres, en fait la cellule va se diviser. Donc elle se divise une fois, donc elle passe du stade d'une cellule, elle passe au stade de deux cellules, donc on va les appeler des blastomères, et puis on a 4, 8, 16, 32, 64, 128, et puis on augmente le nombre de cellules, et petit à petit, en fait, ces cellules qui, à la base, sont complètement indifférenciées, vont petit à petit se différencier et vont migrer dans certaines zones. Elles vont migrer dans les pôles du blastomère quand il est encore sous forme de rond. Et il va y même avoir des migrations de couches de cellules les unes dans les autres qui vont commencer à créer des organes, créer des cavités. Et ce qui est génial, c'est que quand vous avez un poisson comme ça, qui est tellement étudié, on peut suivre la destinée de chaque cellule, en fait. On peut dire, tiens, c'est celui-là qui a cet endroit-là, et ça dépend du développement embryonnaire d'un organisme à un autre. C'est-à-dire que certains organismes ont des cellules qui, en fait, peu importe que vous retiriez un blastomère ou pas, ça n'impactera pas l'organisme final, puisque bah, ça va être remplacé par une autre cellule. Chez certains autres organismes, chaque cellule a une destinée très précise depuis le début, et dès que vous retirez cette cellule-là, bah, il manque un organe ou il manque une partie chez l'animal final. Donc ça, c'est pour rentrer dans le détail. Mais ici, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des individus knockout, donc des individus pour KO, pour les individus pour lesquels on va faire un gène silencieux. Donc, quand on veut se rendre compte de, tiens, à quoi sert ce gène-là, quelle est la fonction de ce gène-là, ben, en fait, plutôt que d'essayer de l'isoler, de le mettre à part, ou par exemple l'insérer dans une bactérie et forcer la bactérie à le produire, on peut aussi voir la perte de fonction qui est associée. Et donc, on va silencer le gène, on va le muter, on va dire, écoute, toi, tu ne seras pas transcrit, tu ne seras pas exprimé, et on voit ce que ça donne chez l'adulte par la suite. On voit quelle structure manque, en fait. Et donc, on peut voir quel est l'effet du gène par la suite. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait des poissons knock-out. Et en fait, ici, donc, vous avez les larves de ce poisson d'Anurerio, des larves de 4 jours. Et celles-là, ces photos-là ont été prises en microscopie électronique. Alors, ce que vous voyez là, vous avez déjà la queue qui est présente, il y a les yeux qui sont là, les narines qui sont là et la bouche qui est là, ok. Et la boule que vous voyez là, en fait, c'est le vitellus. Donc ça correspond un peu, ça correspond au jaune d'œuf. Quand vous cassez un œuf, c'est la réserve nutritive. Incroyable. Les organismes doivent se développer. Là, ils peuvent pas encore se nourrir. Vous avez certaines larves qui vont se nourrir et d'autres larves qui ne vont pas se nourrir. Elles vont être lécithotrophes ou pas. Et si elles sont lécithotrophes, ben, ce qui est le cas ici, elles ont un petit vitellus, une petite boule de réserve dont elles se nourrissent pour croître leurs différents organes avant d'acquérir la capacité d'avoir un tube digestif qui est bien formé, d'avoir une cavité buccale qui est adaptée à la prise de nourriture, l'appréhension de nourriture et continuer le développement par la suite. C'est quand même une bestiole bizarre. Et donc, si vous avez vu l'image, je vais remettre l'image qu'on avait juste avant, on a plein de massifs colorés. Donc, en fait, le scientifique qui a pris cette photo-là a gagné a gagné un concours photo. Il y avait un concours photo, je crois, qui était permis par, je sais plus si c'était Nikon ou Canon, mais qui était de donner la plus belle photo scientifique possible. Et en fait, vous voyez que ça apparaît en rouge et en bleu. Alors là, par contre, c'est pas une coloration qui est faite artificiellement. C'est des vraies couleurs là qu'on observe. Et en fait, on a fait de l'immunohistochimie, si vous voulez, en tout cas de l'histologie par fluorescence, pour simplifier. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer différentes cellules avec certains marqueurs qui vont être soit associés à des protéines, bien souvent. Et on va demander, en fait, on va associer un fluorochrome. Donc, on va essayer une molécule qui va être excitée sous une longueur d'onde bien spécifique, et on le passe dans un microscope spécial à épifluorescence. Donc ce microscope-là, en fait, va venir exciter les différentes longueurs d'onde des fluorochromes et va permettre de mettre en évidence des cellules d'organes différents en fonction des protéines qu'elles vont exprimer. Et on va dire, tiens, je veux que tu me montres toutes les cellules qui expriment telle protéine qui est issue de tel gène. Et par contre, bah, il y a ce gène-là qui va venir dans d'autres cellules qui vont exprimer d'autres protéines. Je veux que tu me mettes dans une autre couleur. Donc on est limité sur le nombre de couleurs dont on a accès, même si en fait d'année en année ça augmente, mais on peut générer ce genre de photos. Et en fait, à la base, ça peut être juste des études complètement fondamentales de développement embryonnaire, ou d'évo-dévo, donc ça s'appelle l'évolution du développement. On voit comment les différentes structures apparaissent au fur et à mesure de l'évolution embryonnaire de l'organisme, mais on peut aussi observer parfois certaines similitudes et certains moyens de traitement de maladies humaines, par exemple.
Je sais bien que le chercheur qui travaillait là-dessus travaillait notamment sur l'apparition du bec de lièvre. Alors, j'ai pas lu l'étude en particulier, donc je ne sais pas s'il y a vraiment eu un intérêt, ce que ça a pu donner comme résultat. Mais je sais bien qu'il y avait un lien avec ça, en tout cas, quoi. Donc, c'est assez curieux. Mais en fonction de certaines maladies, bah, vous allez vous dire, ouais, non, on est obligé de rester chez des mammifères, chez des organismes proches. Mais pour certains autres systèmes cellulaires, systèmes mécaniques, biologistes, on peut partir sur des organismes qui sont un peu plus éloignés et arriver à faire des grandes généralisations. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Enfin, malheureusement ou heureusement, je sais pas ce qu'on peut dire. Voilà. Impressionnant. Voilà. Et alors, celle-ci. Oui, là, j'ai un peu de mal à la retrouver tout à l'heure. En fait, c'est un objet qui se rapproche de celui de la nébuleuse du crabe tout à l'heure. Donc, c'est une nébuleuse qui porte un. Alors, elle a deux noms. Elle a un nom technique, c'est Siméis 147. Et le nom plus sympa, c'est la nébuleuse du spaghetti. Bon, là, on comprend mieux le pourquoi. Et c'est une nébuleuse qui a été découverte dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est aussi le résidu d'une explosion de supernova, mais qui est beaucoup plus ancienne. La nébuleuse du crabe, c'était 1054, le moment où on l'a vu dans le ciel. Ici, on estime que l'explosion a dû se produire il y a 40 000 ans. Voilà. Alors, perdu là au milieu, eh bien, on a aussi un pulsar qui a été découvert. Ces dernières décennies. Donc à une époque, on n'en connaissait pas encore beaucoup. Donc cette fameuse étoile à neutrons qui tourne sur elle-même à grande vitesse et qui envoie des signaux. Voilà, donc ça c'est Siméis 147. Et je... Et du Vas-y. coup, est-ce que toutes les nébuleuses viennent d'une supernova ou pas? Non, tu peux avoir... Alors, les bleus, il y en a différents types. Tu as celle comme ce qu'on a ici, c'est lié à la mort d'une étoile massive, une supernova. Donc là, un jour, probablement que tu auras une autre étoile qui va apparaître. La différence, c'est que l'étoile massive, elle est partie de l'hydrogène, et puis elle a construit tous les autres atomes, les autres noyaux, et quand elle explose, ben, en fait, tu as pratiquement tous les atomes du tableau périodique qui sont produits, y compris... En fait, la supernova, elle se produit quand l'étoile massive arrive à produire les atomes les uns après les autres, à un moment donné, elle arrive au fer, et quand le noyau de l'étoile est en fer, là, le problème, c'est que d'un point de vue nucléaire, si tu veux transformer le fer en autre chose... Ce n'est pas une réaction qui libère de l'énergie, c'est une réaction qui absorbe de l'énergie. Donc elle a besoin de beaucoup d'énergie pour se produire. Donc là, à un moment donné, du coup, la réaction en cœur s'arrête, t'as un noyau de fer, tous les couches extérieures en fait tombent dessus, poum, il y a un rebond qui se produit. Et en fait, c'est là que l'énergie va être libérée. Et lors de l'explosion, on va fabriquer les noyaux plus gros du tableau périodique. Donc ça veut dire que dans cette nébuleuse-là, a priori, tu as tous les atomes du tableau périodique. Donc si tu as une nouvelle étoile qui naît, tu auras de la matière pour faire aussi des planètes maintenant, que tu n'avais pas au début. Ok. Donc si nous, par exemple, on a le Soleil dans le ciel et qu'on existe, le Soleil c'est une petite étoile, donc lui il n'est pas capable de produire les gros atomes au-delà du carbone, j'ai plus les détails. Mais si on existe, si on a de l'uranium dans nos centrales et qu'on respire de l'oxygène, c'est qu'avant le Soleil, il y avait une étoile massive qui a dû libérer une supernova et voilà. Et donc ça c'est les étoiles massives qui donnent ça. Puis tu as les petites étoiles comme le Soleil qui vont donner naissance à des nébuleuses planétaires. Je vais te montrer rapidement à quoi ça ressemble. Alors on va mettre par exemple, vous tapez Planetary Nebula. Hop, on va avoir une sélection. Voilà, alors là on en a plein. Celle-ci est très célèbre. Nébuleuse de l'œil du chat par exemple. Voilà. Et donc là, on voit la naine blanche au milieu et le reste de l'atmosphère stellaire qui a été éjectée. Il y en a plein d'autres, hein. Celle-là, c'est la nébuleuse du clown. Idem, l'étoile naine blanche est au centre. Voilà. Et après, tu as des nébuleuses différentes, comme la grande nébuleuse d'Orion. Voilà. Où là, c'est pas vraiment une étoile qui est liée à la. C'est pas une nébuleuse qui est liée à la mort d'une étoile, mais là, au contraire. C'est un objet dans lequel naissent des grandes quantités d'étoiles en permanence, donc ce qu'on appelle des pouponnières d'étoiles. Voilà. Et ici, par exemple, la zone centrale est surexposée parce que là, il y a des étoiles jaunes très très lumineuses. Et donc là, Hubble, ce que spécial Hubble a détecté plein de cocons dans lesquels les étoiles sont en train de naître. Voilà, ça, c'est les grandes familles nébuleuses que tu peux avoir. Super, merci beaucoup. Voilà. Alors, je pense qu'on est tout doucement au bout. Je ne sais pas s'il en reste encore une Il en d'image. reste, je pense. Je On y pense qu'il en va. reste. Mais Ah, voilà, ici. c'est quelque chose dont on a déjà parlé, donc ça va être très Oui. rapide. C'est toujours une croissance bactérienne, en fait.
Alors, tout à l'heure, je vous ai montré une colonie bactérienne en deux dimensions, sur une boîte de pétri, hein, sur une boîte ronde là, en plastique. On vous a montré différents types de formes d'art qu'on pouvait faire avec ça. Mais ici, en fait, on a une culture en trois dimensions. On a une culture en. En fait, il y a plusieurs types de cultures qu'on peut faire. On fait des cultures sur milieu solide. Ça, c'est les bancs. On coule une boîte d'agar-agar, on la fait chauffer. Quand c'est liquide, on la fait couler dans une boîte de pétri, ça se solidifie. Et là, on met les bactéries dessus. Donc là, ça pousse en deux dimensions. Mais on peut essayer de faire une étude en trois dimensions. Donc pour cela, on va s'intéresser à soit un milieu de culture liquide, c'est-à-dire qu'on met un peu moins d'agar-agar dedans, donc on met moins de gélifiant. Donc le milieu reste plus liquide, mais avec des nutriments. On peut faire ce qu'on appelle une gélose, qui est un peu l'entre-deux, en fait. Et la gélose va permettre, en fait, aux bactéries de rentrer dans le milieu et de pousser en trois dimensions. Et donc on retrouve un peu cette forme, cette distribution de petites colonies bactériennes. Vous voyez que des couleurs différentes, des formes différentes. Et ce qui est marrant, c'est que certaines formes de bactéries dans des boîtes de pétri ne vont pas avoir la même forme, le même phénotype de colonie, donc le même caractère de colonie dans une gélose, par exemple. Ils vont pousser d'une autre manière parce que soumis à d'autres conditions physico-chimiques. Et donc, je crois que j'avais juste encore un truc derrière. Et voilà, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une gélose, justement. Et donc, on fait couler cette gelée et puis on la fait pencher pour avoir une petite surface de contact qui nous permet en même temps de voir, ça permet en fait de faire deux choses en même temps, de voir les colonies qui vont pousser en surface et les colonies qui vont pousser à l'intérieur, en fait. C'est pour ça qu'on fait ça, pour avoir une plus grande surface de contact, on la fait un peu pencher. Donc voilà, ça c'était la dernière image. Voilà, alors cette photo-là, quand Quentin nous l'a montrée, on est assez impressionné parce qu'elle nous faisait penser, en fait, évidemment, à tous ceux qui sont des fans d'astro, ils connaissent cette image-ci, qui est la plus célèbre jamais réalisée. Voilà, c'est le Hubble Ultra Deep Field. Voilà, donc quand on a vu, ça nous a fait penser à ça. Voilà. Voilà, et là, on a 10 000 galaxies dans un petit champ. Et je viens d'en voir passer une autre qui est en image. Je la connaissais pas, je sais pas si on va la voir ici et on va arrêter avec ça. Ici, regarde ça, je connaissais pas celle-ci. Ça encore plus celle de Quentin. Là, c'est pris Wow. en ondes radio, je pense. C'est Okay. Alma qui fait ça. Voilà. On aurait pu, à la limite, on aurait pu mettre celle-là. Voilà, un petit peu de temps pour la charger. Enfin, voilà. Je sais pas si elle arrive. Mais voilà, mon ami, nous arrivons au bout de notre quiz. Alors le quiz, encore une fois, je vous rappelle, hein, c'était l'œuvre commune de toute l'équipe, il n'y a pas que nous deux qui avons travaillé là-dessus. Et bon, je pense qu'on s'est bien éclaté avec ce petit projet Nuit des deux infinis. À mon avis, ce n'est pas la dernière fois qu'on fera ce même genre de choses. Voilà, donc je sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou alors on va dire le mot de la fin. C'était un grand plaisir. Je ne sais pas, je crois pas avoir vu des questions sur YouTube. Je vais passer, on va Non, dire il y des. a quelques personnes, dans ce temps, on a discuté sur l'un ou l'autre point, mais voilà, je pense que c'était assez autonome. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous. Vive la science, vive la curiosité. Et c'est un bonheur de pouvoir échanger comme ça avec vous, avec toi, Guillaume. Alors, habituellement, on fait ce genre de discussion entre nous quand on se croise dans les couloirs. Ici, longtemps qu'on ne s'est plus croisés. Et le fait de pouvoir le faire sur YouTube, même si c'est mieux en présentiel, là, ça permet aussi de partager ça avec plein, plein de gens. Voilà, les amis, C'était faites de beaux rêves, soyez curieux et à bientôt. un bonheur pour moi, Francesco. Un grand merci pour ça. Passez une toute belle soirée, tout le monde.